Salut tout le monde, salut, bienvenue, j'espère que ça va bien, j'espère que vous m'entendez bien et que tout roule. Je ne vois pas mon micro a l'air de fonctionner, tout va bien. J'ai dû faire deux petits reboots avant de pouvoir lancer le stream. Tout fonctionnait bien comme pendant les tests comme d'habitude, et puis quand j'ai voulu lancer le live, bah tout s'est mis à merder. Donc j'espère que tout roule pour vous. Comment se passe ton babysitting, toi, Calmandris? Ah, ici ça va forcément bien, c'est le week-end. Il fait un temps, on va dire qu'il fait un temps. Mais bon, trêve de blabla, aujourd'hui on est là ensemble pour se faire 4 épisodes, plus éventuellement 2 micro kids. Donc on va tester le réac ensemble et puis on va regarder ça ensemble un peu. On est devant le film qu'elle a choisi, et qu'est-ce qu'elle a choisi, dis-moi tout. Mais ça se passe bien. Mais c'était pas ton neveu. C'est pas ton neveu. En fait, c'est ton neveu, mais finalement, tu gardes ta nièce, ça, si j'ai bien compris. Bah, toi, tout se passe bien. Je prépare la live de Zelda. J'étais en réunion tout à l'heure. La réunion qui servait alors strictement à rien. Qu'est-ce que j'ai fait pendant la réunion? J'ai fait mes cartes Amiibo pendant la réunion. Le mec est en train de parler. Oui, alors la cavité, l'épaisseur, blablabla. Ouais, j'étais là. L'école du bien et du mal sur Netflix. Ok. Ok, donc vous avez fini Anna Montana. Eh bien, c'est pas mal. Donc voilà, nous on va se faire du Micro Kids. J'ai fait quelques expériences. On va voir si tout tourne bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette semaine sans live? Enfin, cette semaine, on va dire normale. Mon neveu, je suis parti avec la même nièce. Ok, d'accord, bah, c'est cool ça. Ouais, tu vois, c'est bien de passer le week-end avec tonton. Comme je te disais la dernière fois, ça me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, mon oncle célibataire avait l'habitude. C'est bizarre, quand c'est casé, il a beaucoup moins fait. Mais il avait l'habitude de nous emmener, moi, mon frère et ma cousine, au ciné. En fait, il venait nous récupérer le mercredi. Et on partait se faire un ciné, plus après jeux vidéo. Puis grâce à lui, du coup, j'ai pu voir. Contre-attaque, j'ai pu voir Dracula mort et fier de l'être. D'ailleurs, il avait trouvé un espèce de coutelas énorme dans le cinéma, dans des sièges après le film, enfin des anecdotes. Et puis après, on allait jouer chez lui, on amenait la Super NES, et lui il avait la Mega Drive et la NES, et on a pu voilà faire le premier Zelda. J'ai pas eu Zelda sur NES, c'est lui qui l'avait, donc j'ai fait Zelda sur NES chez lui. On joue au Roi Lion sur Mega Drive, et il campait Shanghai sur la Super NES. Ah oui, j'en suis, bah oui, ça te fait une petite pause aussi, ça te permet de faire un petit break. Mais voilà, quoi de neuf, j'ai récupéré ma petite PlayStation, donc j'ai récupéré une PlayStation, on la voit pas, elle est là. Là, vous le voyez pas, mais je me suis amusé, j'ai fait mon geek, hein. J'ai refait toutes mes étiquages. En fait, c'est mon Switch RCA, donc là-dessus, tout ce qui est en RCA, donc les connectiques à 3 fiches, j'ai pu y brancher, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 consoles. Donc nous avons la Mega Drive, la Super NES, la 64, la GameCube, et en dessous la PC Engine et la PlayStation. Et je suis amusé à faire des petites étiquettes là parce que ça fait joli, ça fait propre. Puis de toute façon, je me sens pas, mais c'est joli. Oh non, t'inquiète pas. Mais oui, ça permet de faire un break. Salut Dr. John, comment vas-tu? Comment allez-vous, Dr. Jones? Ici tout va bien, je suis tellement content d'être en week-end. Le vendredi quand même une journée beaucoup plus sympa pour moi, en étant en télétravail je peux travailler dans ce cadre qui est quand même plutôt cool, hein. Je suis content de m'être fait mon petit ma petite batcave comme l'appelle ma femme. J'ai fait bien, yeah, faute de barre. Donc ça va beaucoup mieux maintenant que je suis en week-end, et puis on se fait, voilà, on va commencer. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va switcher, on va laisser un peu tout le monde arriver, puis on va switcher sur la scène pour se battre, donc les 4 premiers Micro Kids. Alors ce n'est pas la version que Florent Gorge a récupéré pour le moment, c'est un truc que j'ai récupéré sur internet.
J'espère bientôt voir arriver, bah, j'imagine qu'il voilà, il faut qu'il trouve quelqu'un pour les ripper en bonne qualité, etc. Et que ça se fasse, mais j'espère arriver, donc les 5 saisons complètes, me semble-t-il, ont été récupérées de chez Jean-Michel Blottière, qui était le présentateur et j'imagine après producteur de Micro Kids. Coup de vieux Micro Kids, mais coup de vieux, mais moi je me rappelle, regardez ça, si je me rappelle, c'était le samedi matin que ça passait. Ça passait en fin de matinée, je me rappelle, regardez ça, et je sais pas pourquoi j'ai une pub Levis qui m'est restée incrustée, qui avait été diffusée juste avant Micro Kids, et qui m'est restée incrustée, c'était celle avec la musique de Spaceman. Mais je crois qu'il y avait des aliens qui mettaient des jeans. Enfin, elle était assez chelou cette pub, mais elle m'a bien marqué. Et après, on regardait Micro Kids. Donc j'ai récupéré donc les 4 premiers pour le moment. Pour l'instant, j'ai pas cherché plus, mais on en a 4. Et j'ai commencé à récupérer également du Télévisateur 2. Donc on va pouvoir se regarder du Télévisateur 2. Voilà, j'espère que les prochains RIP de Micro Kids seront en meilleure qualité. Là, c'est assez inégal. Mais écoutez, on va prendre ce qu'on a, j'essaie de mettre un petit filtre pour arranger l'image, on va voir ce que ça donne. Ce qu'on va faire, 11 septembre 91, c'est ça. Alors c'était sur FR3, c'était pas France 3 à l'époque, parce que c'est une production, si je ne m'abuse, France 3, enfin FR3 Strasbourg je crois. Je crois que c'était Strasbourg qui faisait la prod. Par contre, Télévisateur 2, oui, c'était France 2. Non, je... Ah ben, dégage, pas de soucis. C'est l'habitude, bien sûr, attends. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher sur la scène de... Voilà. Donc, j'ai préparé la petite télévision. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer la télévision. Voilà, ça c'est mon petit kiff que je me suis fait tout seul. Et on va pouvoir se lancer Micro Kids. Alors on va couper la musique. On va couper la musique et on va lancer Micro Kids. Et voilà, écoutez, on est parti. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Ah, c'est déjà France 3. Oh, j'ai des conneries. Alors voilà, j'ai mis, dites-moi si c'est mieux, j'ai mis des petites skylines pour lisser un peu l'image. Et oui, t'as vu que j'ai fait la petite diode qui clignote. Mais je t'enverrai des trucs. Je t'enverrai des trucs, t'inquiète pas. Salut à tous, bienvenue dans Micro Kids. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, un reportage qui nous emmène en Allemagne à la découverte du nouvel ordinateur d'Atari, le Falcon 030. Au sommaire également, le jeu caché, premier indice. Ce jeu est un jeu de baston sur console haut de gamme. Si vous avez trouvé déjà la réponse, sautez sur votre Minitel. Ça joue Neo Geo, ça. Ou alors une carte postale que vous envoyez à l'adresse habituelle. Si vous n'avez pas encore identifié le jeu, rassurez-vous, il y aura encore 2 indices au cours de l'émission. Cette télé, mais tout le monde a rêvé. Et pour notre championnat, nous retrouvons aujourd'hui Christopher, qui a 8 ans et demi, qui habite Thionville et qui a gagné la semaine dernière. Il avait déjà un casque de gamer. Super Nintendo, offerte par Micromania. Bonjour Christopher. Et à l'époque, Micromania offrait du Super NES. Salut à tous, l'équipe de Micro Kids s'est rendue pour vous à l'Atari Messe de Düsseldorf, un salon qui réunit tous les ans les passionnés de micro-informatique personnelle. Cette année, Atari est présenté en exclusivité son tout nouvel ordinateur, le Falcon 030. Falcon 030. Le Falcon 030 est la première machine multimédia lancée sur le marché. Attention, oula. Elle allie aux caractéristiques d'un PC celles de l'électronique grand public et des machines qui travaillent en réalité virtuelle. Attention, on dispose de 65 couleurs à l'écran en même temps. Elle contient un processeur de signaux digitaux et a des possibilités énormes aussi bien en graphisme qu'en son. Seule l'apparence est la même, autrement tout est entièrement nouveau. Les processeurs aussi sont tout nouveaux. Bon, on dit pas ce que c'est un public très large, aux passionnés de jeux comme aux parents qui souhaitent apprendre à leurs enfants à se servir d'un micro, à tous ceux qui veulent s'initier au grand texte, à la PAO ou qui veulent utiliser la technique de l'enregistrement direct sur disque dur. Le Falcon est une machine fabuleuse pour numériser les informations.
informations sonores ou informations vidéo. On peut récupérer dessus des images. Donc, vidéo. Quand je te dis, cet ordi n'a pas du tout marché en France, hein, parce que moi, tous ceux que j'ai connus avaient des Amstrad, mais l'Atari Falcon, je pense pas avoir connu quelqu'un en avoir entendu parler à l'époque. Enfin, il m'a pas marqué. Même photo, le CD photo, c'est pour très bientôt. Donc, ce que nous avons souhaité faire, c'est livrer avec la machine un petit logiciel qui permet de retravailler ces images. Aux images de vacances, par exemple, ou plus professionnellement, des images pour des applications professionnelles. Oh, mais ça, ils étaient en avance, parce que qui, en 91, retouchait ses photos sur ordinateur? Bah, déjà, qui scannait ses... Enfin, non, attends. Qui avait des photos numériques? Là, personne. Mais qui scannait ses photos? Enfin, qui avait scanner, quoi? Ça coûtait combien, un scanner en 91? Le Falcon 030 est actuellement en cours de fabrication. Le lancement est prévu en septembre. Eh oui, l'Amstrad, on a plus d'Amstrad. Le prix est d'environ 5000 francs français. Si le Falcon 030 ressemble extérieurement à un ST, ses possibilités sont en revanche très nettement supérieures. Le Falcon est doté de graphismes de qualité photo, d'un son aussi bon que celui d'un CD et d'un processeur 32 bits particulièrement rapide. Avec ses atouts, le Falcon 030 est la première d'une nouvelle génération de machines technologiquement avancées. Le Falcon connaîtra-t-il un succès à la mesure de ses ambitions? Seul l'avenir nous le dira. Réponse non. Arcus Odyssey. Arcus Odyssey, édité par Rénovation sur Mega Drive, est un jeu de rôle à mi-chemin entre Fantasy Star 3 et Gauntlet. Magie, épée et dragon, tels sont les ingrédients d'une grande aventure. Pas encore, moi j'ai joué. Les graphismes sont fins et colorés, les héros sont un peu petits, mais les décors compensent. Je suis passé directement à Adi, moi, Adi bouge, je suis pas passé, moi. Et c'était génial, Adi, je mettais les musiques avec les sons, avec les cliquets, la pluie, là, c'était chouette. Eh, hey, salut! Faut que j'arrive à choper un Adi, là, en DOSBox, un truc comme ça. 5000 francs français, 700 euros, elle, près du PS5. Tu me diras, c'est pas cher! Par rapport au PC qu'on utilise aujourd'hui, c'est pas super cher, mais à l'époque, tu me disais 5000 francs, mais c'était mort, quoi. C'était un salaire. C'était un mois de salaire, 5000 francs. Le défilement de l'écran, qu'on appelle également scrolling, est multidirectionnel. L'animation des plans d'eau, elle, est magnifique. C'est vrai que les plans d'eau étaient pas mal, mais j'ai pas retenu ce jeu. Les bruitages sont peu nombreux, mais les musiques sont mélodieuses. Vous avez pris sur un des trop classe? Ouais, 1200 balles, c'est ça, ouais, c'est... Il existe 4 personnages, on peut jouer à deux simultanément, et le système d'options est pratique. La jouabilité a été soigneusement étudiée. Arcus Odyssey est donc un excellent jeu de rôle et d'action. Les combats sont passionnants, les graphismes superbes, et surtout, il est possible de jouer à deux. Voici Arcus les notes. Odyssey. 17 sur 20 en graphisme, 15 sur 20 en animation, 16 sur 20 pour la bande-son, 17 sur 20 en jouabilité, dire, hein, et un Arcus intérêt Odyssey général de 18 sur 20. Un des tout premiers jeux de combat sur la Super Famicom est enfin disponible pour la Super Nintendo. C'est pas un jeu de combat. C'est pas un jeu de combat, c'est un beat'em up. Et, ou appelé à l'époque beat'em all. Attention, c'est pas bien ça. Capcom pour ce Final Fight. Les graphismes sont proches de la version d'arcade, les personnages ou sprites sont grands et visibles. Attends, est-ce qu'il va gueuler parce que cette version de merde, on peut jouer qu'à un là? Attends, Odyssey. On verra pour lancer sur Recalbox. L'animation, elle, est propre et sans bavure. Le défilement de l'écran est sans à-coups. Mais tu peux pas jouer à deux. Et t'as 4 sprites à l'écran. Les bruitages nombreux donnent une bonne ambiance à ce jeu de combat. Vive la version mec. Et je trouve que la version Mega CD est même meilleure que la version arcade, dans le sens où, oui, les sprites sont moins beaux que sur arcade, mais les musiques sont ouf et il y a des cinématiques qui sont dingues. Bon, oui, c'est mal joué, mais les musiques sont trop bien. Et les prises de catch sont très amusantes, il est vraiment regrettable de ne pas pouvoir jouer à deux. Mais Final Fight est quand même un bon jeu de combat, c'est indéniable, seulement la durée de vie aurait été largement augmentée avec une option 2 joueurs. Ah, mais clairement. Non, mais on va vous vendre 2 cartouches à la place. 14 sur 20 pour la bande-son, 15 sur 20 en jouabilité et une note globale de 16 sur 20. Comment ça va, John? Merci de passer. Une fois n'est pas coutume, voilà un jeu sur Neo Geo qui n'est pas édité par SNK. Dunos. C'est à Visco Games que l'on doit Andros Dunos, un jeu de tir très classique. Très très bon ça, qui est ressorti sur le Mega Drive d'ailleurs.
Des graphismes superbes, mais le vaisseau est petit et les tirs ne sont pas spectaculaires. T'as pu te reposer un peu ? Les tirs ne sont pas spectaculaires. Mais au moins, tu peux voir quelque chose à l'écran. Mis à part les gardiens de fin de niveau, les ennemis sont de petite taille, ce qui est assez décevant. Ça, c'est pour les potes à la compote. Elle, est parfois en week-end, ça va bien. C'est en week-end, ça va toujours bien. Week-end. La bande sonore met une bonne ambiance dans ce jeu de tir. La bande sonore met une bonne ambiance. Ah, 8h, ah, shit. Le vaisseau, lui, est maniable. On peut choisir le type d'armement et même déclencher les super dans un intestin grêle. Andros Dinos aurait été un très bon jeu sur Core Graphics, mais il manque cette démesure géniale propre à la Neo Geo, ça, une c'est fort de trop sobre pour être captivante. Je vous donne nos notes. 7 sur 20 en graphisme, 14 sur 20 en animation, ça va, 15 ça va. Sur 20 pour il la bande-son, il est pas fun, 15 fun, sur 20 il a quand en même, il a quand même 14 en général de 13 sur 20 à 13. Sans plus. Son 13 sur 20 sans plus Attention, grande nouvelle, Dune, le grand jeu de stratégie de Cryo basé sur le livre et le film du même nom, vient de sortir sur Amiga. On est d'autant en 91 avec la sortie de Dune 2 au cinéma. Le graphisme, très bon, vous le voyez, est très soigné, il se distingue par une profusion bon de détails et une grande originalité. Oui, c'était sympa sur la notation, ouais. L'animation n'occupe qu'une petite part dans un jeu comme Dune, cependant, c'est réussi. Ça bouge pas beaucoup, mais c'est joli. Avec mais Dune, l'un ça, des aspects trop, trop les bien. Plus frappants de Dune, c'est la musique vraiment magnifique qui fait oublier l'absence de bruitage. C'était sur Amiga en plus, le chipset sonore de l'Amiga était vraiment dingue quoi. Quant à la jouabilité, on serait tenté de la qualifier de parfaite. Le maniement à la souris est totalement intuitif. L'intérêt. Maniabilité parfaite. Les gars, c'est un point and click quoi. C'est compliqué de se chier sur un point and click niveau gameplay, non, je sais pas. Enfin, vous pensez ou enfin, vraiment que GG au gameplay, au service gameplay, c'est soit bourré quoi. Hein. Ne fait pas défaut, Dune est un jeu passionnant. Voici nos notes, graphisme 16 sur 20, animation 14 sur 20, ouais. Bande son 18 sur 20, ouf, 18. Jouabilité 19 sur 20 et un j'aime intérêt 16 mec sur 20. Sur la joystick, bon, c'est un peu cochon quand le même. Le football est sans doute l'un des sports les plus appréciés du moment, pas étonnant donc que les jeux du genre fleurissent en tous sens. Aujourd'hui, voici ouais, mais là, Striker, c'était sur Amiga, donc quand tu jouais à la souris. Oui, comme attends. Vous le voyez, le graphisme n'a rien d'extraordinaire, mais c'est tout à fait suffisant. L'animation des joueurs, elle, est plutôt bonne. Ils évoluent avec réalisme sur le terrain en trois dimensions. Alors, j'ai rajouté les scanlines hein, parce que l'image était quand même assez dégueulasse. La bande sonore, elle, est un peu maigre et on a vite fait de l'oublier pour se concentrer sur le match. Elle est un peu maigre avec quelle bande sonore. Eh oh, le son. T'es où le son? Wouhou. Pour la jouabilité, no problemo, comme dirait Guillaume. Ils sont à stade vide, hein, vu le son, quoi. Il y a personne. Ils sont au stade après une petite période d'adaptation, on apprend à dribbler, faire des passes d'habitude. Et piquer la balle à l'adversaire. Sans être la référence du genre, Striker est un bon jeu, agréable à jouer. Notre verdict, graphisme 13 sur 20. Les derniers points d'équipe sur console, maintenant ça va, c'est jouable. Bande son 10 sur 20. Parce que t'avais les sticks avec le pad, c'était plus compliqué. Sur 20, et intérêt global, 14 sur 20. Oh, c'est sympa quand même. Alors, j'ai caché. Deuxième indice, dans la bagarre, vous incarnez le personnage de Duke, Ryu ou Bill. Si vous avez la réponse, le militaire. Ah, c'est Renegade ou Vigilante. Place à la deuxième manche de notre championnat. Pour l'instant, c'est Marie Ashley qui est en tête et Christopher va peut-être réussir l'égalité. Guillaume, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots le principe du jeu ? Bien que moins connu que les titres comme Fatal Fury ou Magician Lord sur Neo Geo, Ninja Commando est à mon avis l'un des meilleurs jeux. C'est un jeu de tir où les éternels vaisseaux sont remplacés cette fois par des ninjas qui partent dans le futur, enfin du moins à travers l'histoire, à la recherche d'un criminel qui utilise une machine à remonter dans le temps. C'est mystique pour rien ce que j'adore de jeu, genre Merci. Est-ce que vous êtes prêts ? Que je trouve génial sur arcade. Oui. Attention, vous allez avoir 45 secondes. Prêt Christopher ? C'est parti.
Vous allez avoir 45 secondes pour faire le score le plus élevé possible. Voici les deux candidats qui arrivent. Christopher est en bleu et Marie Ashley est en rouge. Elles ont tous les deux, ils ont tous les deux pris le rôle du personnage de Joe. Pour l'instant, c'est Marie Ashley petit, qui est à 1750 points, alors que Christopher n'a fait que 300 points. Marie Ashley est très nettement en train de prendre la tête. Au bout de 20 secondes, elle est devant, 1900 points contre 1700 points. Christopher est en train de faire une remontée extraordinaire. Mais pour l'instant, c'est quand même Marie Ashley qui domine. Une petite compétition comme ça. 15 secondes de jeu et c'est Christopher qui vient de reprendre la tête. Marie Ashley, 2900, 3300 points. Christopher, les deux candidats sont extrêmement serrés. Il ne reste plus que 5, 4. Qu'est-ce qu'elle devient, Marie Ashley? Elle est devenue ninja. 3900 points pour Marie Ashley contre 3600 points pour Christopher. C'est bien joué, Marie Ashley. Qui remporte la deuxième manche et qui remporte les cadeaux. Ah, Marie Ashley, ça doit se trouver sur Facebook, non? Il y en a beaucoup. Marie Ashley, tu as le choix. En plus, elle a notre âge, hein. Cadeau, c'est le hasard qui va décider. Il y a une super Marie Ashley au profil, je l'ai trouvé. Gamegear a gagné. Chacune a un numéro, choisis un numéro. 1 1 Non, c'est pas elle. Le numéro 1, c'est la super Nintendo que tu remportes. On applaudit Marie Ashley. Christopher, tu as déjà gagné une Super Nintendo la semaine dernière. Oui, bien Christopher. Tu remportes aujourd'hui des bons d'achat et puis bien évidemment tous les deux des pins clignotants et des t-shirts et des abonnements à Tilt. Qu'est-ce que je donnerais pour avoir ce satané pins clignotant? Bon, le son est dégueulasse, hein, je suis désolé pour la semaine prochaine, face à un nouveau candidat, Christopher, bravo, et puis à bientôt peut-être. Top jeu vidéo cette semaine dans la catégorie console 16 bits. Nous trouvons en première position sur Mega Drive Olympic Gold de US Gold. En seconde place, Tasmania de Sega, toujours sur Mega Drive. Et en numéro 3, Super Mario World de Nintendo sur Super Nintendo. Le ça, très très bon jeu, une grosse révolution sur Super Mario World. Au banc d'essai du Labo Test, aujourd'hui, Opération Wolf de Taito sur NES. Mais en fait, on est de retour en 91, vu qu'ils viennent de sortir un nouvel Opération Wolf... Sur VR, qui a l'air d'être bien. On peut pas dire que je sois passionné. Partez sur du fun. Plutôt que je le déteste. On doit tuer tous les ennemis qui bougent. Enfin, tout ce qui bouge. On doit tout détruire. Tout ce qui bouge, on doit tout détruire. Il y a beaucoup de points faibles. La jouabilité est mauvaise. L'animation est mauvaise. Les graphismes sont mauvais. Il n'y a pas de musique et les sons sont mauvais. De plus, lorsqu'on tire, il y a des. L'écran il devient tout blanc, on voit plus rien. Ah, mais Jean-Michel, il est pas sympa, mec. Il bosse pas chez MicroKids au niveau de la notation, là. C'est mauvais. On se fait toucher, on peut rien faire. C'est mauvais. On n'arrive pas à manier de tir. Enfin, on tire pas bien avec. On peut jouer avec la manette, avec le pistolet, seulement. Avec la manette, le jeu est pratiquement jouable. Avec le pistolet, il faut toujours garder la manette à portée de main pour pouvoir lancer les bombes. Donc, même si c'est pas pratique, c'est pas très jouable. Il n'y a pas de point fort. Y a pas de point c'est fort. Pas un jeu que j'achèterais ou que je conseillerais. C'est. Nos labo-testeurs et les journalistes sont unanimes. Opération Wolf sur NES n'est pas un bon jeu. Graphisme médiocre, animation très moyenne et surtout jouabilité extrêmement mauvaise. Notre note finale, 6 sur 20 seulement. Ah ben voilà, ils sont pas toujours sympas. Cette semaine sympa. Concerne le génial Get of Thunder sur PC Engine CD-ROM et il nous est envoyé par Stéphanie qui habite Saint-Malo. Lors de bien la sûr, personne ne l'a eu à l'époque parce que c'était trop cher. 2, 2, 1, select. 1, 2, 1, 2 et encore select. Allez, ensuite, dans le menu de configuration, vous pouvez désormais sélectionner le stage de départ dans le jeu. À vous les derniers niveaux. Le record de la semaine, il appartient à Vincent Vauters qui habite Grainville. Il a réalisé 2 873 025 points dans Fire on Ice sur Amiga. Qui dit mieux? Bravo Stéphanie, bravo Vincent. Vous gagnez chacun une console portable. Le dernier indice, maintenant, ouais, c'est tout. Que vous avez c'est de la merde. Identifier le jeu. C'est de la merde, hein, voilà, on peut le dire. C'est tout pourri. Voilà, c'est. Voilà, ouais, on peut pas dire plus, quoi. Les deux indices que j'ai donnés en début d'émission, c'est un jeu de baston sur console haut de gamme et dans la bagarre vous êtes soit Duke, soit Ryu, soit Bill. Si vous avez la réponse, le 3615 France 3 rubrique Micro Kids ou alors une carte postale que vous envoyez à l'adresse habituelle. Alors c'est quoi le jeu Tilt. Je vous laisse mettre les titres dans le chat. Ouais. Ou en commentaire, trouvez le jeu. Console
plus 913 rue du Colonel Avia 75 015 Paris. C'est également sur n'envoyez pas ça par la poste, hein, ça ne sera pas. Microkids que vous trouvez les goodies Microkids. Concours de est-ce que quelqu'un a eu ce pin? Il y a deux catégories dans ce concours de création graphique, les juniors moins de 15 ans et les seniors plus de 15 ans. Nous avons déjà reçu des dessins. Le problème, c'est qu'il ne concerne pas vraiment le thème que nous avons donné. Le thème de ce concours, c'est la création de la mascotte de Microkids. Cela dit, c'est pas grave, on montrera les plus beaux dessins quand même. Le concours création de la mascotte des Microkids. Bah j'ai fait une Lamborghini. C'est voilà. Puis quoi, c'est pas bien. C'est oui, c'est sur Neo Geo, ouais, ouais, ouais. Score sur simulateur de vol. Si vous êtes un passionné de simulateur de vol, écrivez-nous, envoyez-nous vos meilleurs scores, bah, car nous allons. Ils avaient raison parce que c'était 8 francs, c'était 8 francs la minute, donc ils avaient raison qu'ils voulaient pas vouloir appeler quoi. Mais c'est vrai que oui, mais je crois que mes parents voulaient pas non plus que j'envoie ça. Et mon frère une fois s'est fait choper sur le Minitel. Il avait l'habitude d'aller voir sur le Minitel du Dorothée, là, du club Dorothée. Et mes parents nous ont démonté parce que au niveau facture, ça se voyait, c'était très très cher. À Imagina, c'est un salon d'images de synthèse. La démo d'aujourd'hui, elle s'appelle Overdose, elle est signée du groupe Agression, elle tourne sur ST. Avant qu'on se sépare, je lance un appel à tous les parents passionnés de jeux vidéo. Si vous êtes un père ou une mère, ou peut-être un grand-père, puisque nous avons reçu une candidature d'un grand-père qui viendra peut-être avec son petit-fils, écrivez-nous et venez jouer avec nous, vous serez les bienvenus. À la semaine prochaine, jouez bien, bye bye. Ah, voilà. C'était le premier Microkids, donc là on a le deuxième épisode. C'était quand même assez rapide, hein, donc j'en ai pris, c'est pour ça que j'en ai mis plus, j'ai mis deux télévisateurs 2 à la suite, pour qu'on tienne à peu près 2 heures, et puis après on pourra éventuellement se passer sur du rétro le temps que ça prend. Je vais pas continuer trop tard aujourd'hui, ça va être un live un poil plus court, j'ai du monde à la maison, donc il faut qu'on prépare un peu, qu'on fasse le ménage avant que les gens arrivent. Ah, c'était FR3 là, ouais. Avec du Dune en générique. Le son a l'air meilleur sur celle-là de vidéo. Another World. Oh, l'intro d'Another World, il était tellement dingue. C'est un jeu que j'aime pas tant que ça, parce qu'il est dur. Je préfère Flashback, mais. Salut à tous, bienvenue dans Microkids. Microkids qui vous présentera aujourd'hui enfin un reportage sur la remise des tilts d'or. Comme chaque semaine, nos deux équipes sont en place. Dans l'équipe numéro 1, Franck et Manuel, ils viennent de Livry-Gargan. Ouais. Dans l'équipe numéro 2, Olivier et Frédéric qui viennent de Coubron. Ouais. Oh my god, ok, it's happening. Franck, c'est toi qui vas jouer sur Teenage Mutant Ninja Hero Turtle. Quel âge as-tu? 14 ans. Quelle machine que c'est? Ah, il y a autant de joie que là, autant d'entrain. Ton jeu préféré? Quackshot. Tu connais Tortue Ninja? Un petit peu, mais pas beaucoup. Bien, on verra ce que tu feras. Olivier, tu vas en chier? Tu connais Tortue Ninja? Oui. Tu as joué, tu as quoi comme machine? Une Sega Master System 1. Comment se fait-il que tu connaisses le jeu? Bah, j'ai un petit cousin qui a la NES, et donc... Quelle technique tu... Bah écoute, c'était... en tout cas il est noté comme ça, enfin il était noté comme le deuxième épisode, parce que... Alors c'est qu'il est mal identifié en effet, mais... Alors attends... Ou alors c'est la playlist, mais normalement elle était pas en random. Attends. Microkids. Il est identifié comme Microkids janvier 92. Ouais, janvier 92. Ah, il est noté comme le 2, mais janvier 92, ok. Il est un peu plus tard. Pardon. Ah, il est plus tard, ouais. Comment t'as appliqué ? Bah, je veux rester dans les égouts, oui. Pour tuer le maximum de monstres et y retourner assez souvent. Très bien, nos deux équipes sont en place. Attention les candidats, levez les mains. 3, 2, allez. 1, top, c'est parti. Le jeu, vous le connaissez bien maintenant, une sombre histoire de fiancé qui a été enlevé par la femme. Vous avez vu le film ou pas de Tortue Ninja? Et les candidats vont devoir explorer les égouts. Attends. Pour tenter de détruire tous les monstres qui s'y trouvent. Attends, il a dit quoi? Finalement, bah, j'ai un petit cousin qui a une sombre histoire de fiancé enlevé par Shredder. Quelle technique que tu comptes appliquer? Je veux rester dans les égouts, oui. Pour tuer le maximum de monstres et y retourner assez souvent. Très bien, nos deux équipes sont en place. Attention les candidats, levez les mains.
3, attends, c'est... 2, 1, top, c'est parti. Le jeu, vous le connaissez bien maintenant, une sombre histoire de fiancé qui a été enlevé. De fiancé par... qui a été kidnappé par Shadar. Mais non, c'est... Mais non, c'est des tortues, elle est humaine. C'est sale, ça ne se fait pas, faites pas ça à la maison. Femme Shredder, il faut aller la délivrer et les candidats vont devoir explorer les égouts pour tenter de détruire tous les monstres qui s'y trouvent et finalement arriver jusqu'à Shredder. Jamais. Le calcul des points, j'imagine que vous commencez à le connaître maintenant. Le vainqueur fera marquer 5 points à son équipe. À ces 5 points viendront s'ajouter ou se retrancher des points liés aux questions quiz, puisque 3 questions quiz seront posées tout à l'heure, chacune valant 2 points. Ok, question Nous avons déjà plus. Montré des images des 22 Tilt d'or qui ont été élus par les rédactions de Tilt, de Console Plus et par vous-même, puisque les téléspectateurs de MicroKids oh, ont télé. Élu 2 Tilt d'or, un console et un micro. Les Tilt d'or ont été remis au cours d'une grande soirée, c'était au Cirque d'Hiver et c'était avec Jérôme Bonaldi. Juste belle présentation avec Bonaldi. Attends. Panel Gargloss, tu as bien un flic qui tombe heureux de Goliath dans Caprilogy. C'est vrai. Ouais, mais à la limite, une créature mythique, c'est pas une tortue qui vit dans les égouts ? Toutes disent qu'il fallait avancer, qu'il fallait faire des choses nouvelles. Donc, la première rencontre que j'ai faite, ça a été Richard Geoffroy, qui est venu à nous. Oh, c'était filmé par tonton GG au caméscope, hein, c'est tout d'or. Par l'écran, ce que nous apportons par l'écrit. Donc, nous avons fait Console Plus, qui est quand même une création originale, parce que. Console Plus. Ne recouvrant pas ce qu'on peut trouver dans les machines. Nous avons l'intention de faire plus que Console Plus ensemble, c'est-à-dire de faire soit Tilt, soit d'autres journaux, soit de saisir toutes les occasions. C'est vrai que l'égout était pas mal, surtout dans le film. Console Plus a très bien réussi et nous en sommes tout à fait satisfaits. Nous espérons avoir d'ici un mois ou deux une autre occasion de travailler avec les éditions mondiales. Que le service public, dans le sens, soit la première chaîne. Pourquoi pas? On pourrait récompenser un peu les Game Awards, les meilleurs jeux. Sur la décroissance informatique et sur les jeux vidéo. En quelques semaines, l'émission a doublé d'audience. Un petit moment que j'y réfléchis au Pixel d'Or. De temps, puisqu'elle a commencé par 13 minutes. Elle est en ce moment de 17 minutes et dans 15 jours, elle va faire une durée de 20 minutes. Merci beaucoup pour cette récompense. Comme je vous l'ai dit, je suis chômeur actuellement et ça fait du bien au porte-monnaie. Je veux remercier pour ce prix. C'est pixel de plan. C'est une grande satisfaction pour demain. Bravo. Et Florent Gorge a récupéré des... a récupéré des trophées chez Jean-Michel Blottière. Il a récupéré des trophées. Alors, est-ce que c'était des protos ou des surplus? Mais ça a été, il en a donné. Je trouve que c'est génial d'aller dans un musée, ça. Ah, l'encore. Le fameux l'encore malade. Une très belle récolte de jeux pour Civilisation. Toutes les hubs du jeu vidéo. Énormément ce prix. Merci beaucoup. On pourrait récompenser les moins bons jeux. Je suis ravi d'être venu pour recevoir cette chose brillante et ravissante en toute simplicité. Merci à tous. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment un très beau cadeau pour Mickey. Merci. Je crois que la seule chose qu'on peut dire en fait sur Mickey Mouse, le jeu est excellent. Attends, chérie. Bravo. Ah, Guillemot ouais. Papa Guillemot, tout jeune. Croiseur pour un cadavre. Attends, il n'y avait pas là. Attends. Est-ce qu'il y a un jour en fait sur Mickey Mouse. Le jeu était excellent. Bravo. Surtout, c'est... Ah, il était... Oh, il était jeune, Paul. Et Patricia, sa femme. Benoît Aron, programmeur. Thierry Perrault, merci. Christian Robert, bassiste, et Philippe Chastel, programmeur. Bravo. Très 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 bon jeu, Croisière pour un cadavre. Dans le siècle, les éditions mondiales, et particulièrement Console Plus et Tilt. C'est tellement bien, très très cool en point and click. C'est un livre, et connu en honneur
C'était pas mal cadré. Bravo. C'est pas si c'est bien cadré, mais c'est vraiment têtu. À l'arrache quoi. À Eric Chahi. Il était bébé à Eric Chahi. Ou une commandeur de... c'est des bonnes récompenses hein. Un point sur la situation. Enfin, les jeux c'est des grands jeux encore aujourd'hui qu'on n'a pas oublié. Quiz, pour l'instant c'est l'équipe numéro 1 qui est en tête avec 28 200 points contre 25 600 points pour l'équipe numéro 2. Les candidats quiz vont essayer de répondre bien sûr aux questions quiz. Manuel, tu as quel âge? J'ai 15 ans. Tu as quel ordinateur? J'ai pas un ordinateur, j'ai une console. Une console, et c'est laquelle? C'est la merde, aujourd'hui. C'est la Mega Drive. Ton jeu préféré? Sonic. Sonic, ouais, c'est un bon jeu. Facile. Frédéric, tu as quel âge? 14 ans. Ta console ou ton ordinateur? Une Mega Drive. Et ton jeu favori? Lakers contre Celtic. Vous vous êtes entraîné? Lakers contre Celtic, ouais. Ok. Bon. Bon, en tout cas, c'est Team Mega Drive. Question hein. Quiz. La première nous est envoyée par Nabil de Mantes-la-Jolie. En plus des flèches de direction, combien y a-t-il de boutons sur la manette de la NES? 4. Oui, Manuel. 2. Non, c'était 4. Start et select. Points. Deuxième question quiz envoyée par Anthony de Framing Merlebach. L'écran de la Lynx est-il en couleur ou en noir et blanc? L'écran de la Lynx est-il en couleur? Non, pourquoi 6? Sur la NES? Non, il y a 4 boutons en plus de la croix directionnelle. Il y a Start, Select, A et B. À moins que tu aies une manette turbo. Alors, est-ce que l'écran de la Lynx est en couleur? Frédéric? En couleur. Bonne réponse. Oui. Plus 2 points. Dans le jeu Tortue Ninja, quelle tortue utilise comme arme préférée le Nunchaku? Mike. Quelle tortue sort avec April O'Neil? Ah, attends. Ah, là, t'as entendu la SNES, ouais. Ah, ok, ouais. Eh oui, la SNES, t'aurais eu raison, ouais. Mais non, c'était la NES. Frédéric? Mike? Non, c'était Michelangelo. Bah oui, c'est Mike. Ils disent Mike, donc. Ah, ils disent Mike. Bonne réponse, c'était Mike. Il a raison. Mais c'est comme les chocolats, les Raffaello. Et non, pas Michelangelo. Mais il vaut mieux dire Michelangelo, ça permet de marquer 2 points supplémentaires. C'était une question piège pour le présentateur de Marie-Pierre de Paris. Édité par Taito, Run Arc sur Mega Drive a des prétentions écologiques. En effet, vous partez en Afrique pour démanteler un réseau. Le surnom de monsieur Mbappé, c'est Michelangelo? Je savais pas du tout. Je suis tellement fort en football que. Pourquoi? Parce qu'il mange des pizzas dégueulasses lui aussi? À coup de pied et à coup de poing. De beaux graphismes, mais les décors ne restituent pas assez l'exotisme africain. Parce qu'il est 14 sur 20. Merde, c'est vrai. C'est pas cool. Un peu cher. Les programmeurs ont fait un bel effort. Ce lion ne rugit pas mal et ce train est bien sur ses rails. Notre note, 16 sur 20. Ils sont pas plutôt déçus. Outre les bruits de coups et de bagarres, on doit se contenter du minimum. T'as mis quoi là? C'est quoi ton lien? Attends. 13 sur 20. Est-ce que c'est ton lien? Mbappé reçoit un cadeau. Oui, j'ai un bloqueur, tu m'emmerdes. Oh merde. Là, j'ai le bloqueur qui me gêne. Silence. Vous commencez par choisir votre héros. Chacun de ces aventuriers a ses propres coups. Des objets variés, fouet, torche, couteau, pistolet, agrémentent les bagarres. Attention, il y a le dépanneur qui amène le pick-up. De 15 sur 20. Renard est un jeu où on cogne sec, même les femmes. Est-ce justifiable, même s'il s'agit de libérer des animaux comme ces aigles? À vous de juger. Pour notre part, nous limiterons la note d'intérêt. Ils se vénèrent, les aigles. 14 sur 20. Shadowgate de Kemco sur console NES va passionner les amateurs de jeux d'aventure.
Une partie de l'écran montre l'endroit où vous vous trouvez. Une autre partie vous donne un choix d'action. Le donjon de Shadowgate est truffé de pièges. Pas mon truc, ça. L'affichage graphique est fin, mais il n'occupe qu'une faible portion de l'écran. De quoi rêver quand même. Une note de 14 sur 20. L'animation n'entre pas en compte dans ce genre de programme. L'intérêt est ailleurs. Donc, pas de note d'animation. Comme la vérité, même l'intérêt est ailleurs. Bruitages, dans d'autres jeux, par exemple. Sur l'aventure, pas de note sonore non plus. Le jeu fonctionne bien. Regardez, nous ouvrons le crâne. Nous prenons la clé, nous avançons. Même les femmes. La clé, et enfin, la porte du fond s'ouvre. Simple et astucieux, une note de jouabilité de 16 sur 20. Il faut un moment avant que le charme de Shadowgate opère, mais après vous êtes accroché. Attention, il y a des pièges. On frappe tout le monde, même les femmes. Une note globale de 16 sur 20. C'est pour la nature, ok ? La semaine dernière, nous vous avons présenté Merx de Capcom sur Mega Drive. Voici en sortie mondiale simultanée la version Master System de ce même jeu. Scénario inchangé. Sous les traits musclés d'une sorte de Rambo, vous attaquez une armée de mercenaires planqués dans la jungle. Et ça, c'est par contre la version Master System. Moi, malheureusement, je suis pas à part à part certains petits jeux comme comment ça s'appelle comme les Wonder Boy, je suis pas très fan de Master System, quoi. Alors attends, je vais refaire mon top rétro à la rentrée. Est-ce que c'est bien de reprendre leur notation graphisme et animation? Bah ça pourrait être rigolo, ouais. Ça pourrait être rigolo de reprendre une notation à la Micro Kids. L'égalité, je te la mets dans la gueule, ok. Ils y participent même. Pour le graphisme, une note de 15 sur 20. Ils sont sympas. L'animation est un peu saccadée, mais les sprites sont nombreux et ne clignotent pas trop. 15 sur 20 pour l'animation. Ils sont gentils, parce que en même temps, ça met son système. Dans la jungle. À part ces bruitages très habituels, rien d'inoubliable. Pour la bande-son, notre note, 13 sur 20. Notre Rambo sait se battre, le contrôle est bon et la règle est simple. Une jouabilité qui vaut donc 16 sur 20. Sur Master System comme sur Mega Drive, Merx est une bonne cartouche, sans originalité mais sans faiblesse. Une note globale sur Mega Drive. 16 sur 20. Tiens, comparons donc les deux versions. Voilà. À gauche, Merx en 16 bits sur Mega Drive. À droite, Merx en 8 bits sur Master System. Ok, en graphique, il n'y a vraiment pas de match, mais l'action reste aussi trépidante. C'était notre coup de cœur micro la semaine dernière. Voici aujourd'hui le test complet de Conquest of the Longbow de Sierra sur PC. Cette nouvelle version de Robin des Bois est superbe. Les graphismes exploitent au mieux les possibilités du mode graphique VGA des PC et compatible. Tous les écrans sont en 3D et les fenêtres de gros plans ponctuent les dialogues. Enfin, la mise en scène utilise des gros plans, comme dans cette séquence de tir à l'arc. Il est beau, hein. Pour les graphismes, 18 sur 20. Regardez ce combat, l'animation n'est pas le point fort. Du jeu. Les femmes. Bravo quand même pour le réalisme des scènes d'arcade. Notre note, 15 sur 20. La corne qui permet à Robin d'appeler ses amis à la rescousse sonne ici grâce aux cartes sonores que l'on peut connecter aux ordinateurs PC. Conquest of ça, c'est un truc qu'on a oublié parce que quand moi j'ai installé pour la première fois FF7 sur mon PC, j'ai redécouvert le jeu parce que les logiciels MIDI Yamaha qui étaient fournis avec le jeu, mais ça te transformait ça. Et les cartes son, c'était vraiment quelque chose de différent. Bien sonorisé. Des musiques, mais aussi des bruitages qui accompagnent très bien les différentes ambiances. Cela mérite un 16 sur 20. La jouabilité de ce programme est excellente, puisque toutes vos actions sont maniées à la souris. Par contre, attention à ceux qui ne maîtrisent pas bien l'anglais. La compréhension des dialogues est indispensable à la réussite de cette mission. Notre note, 13 sur 20, puisque le jeu n'est pas traduit en français. Si vous appréciez les aventures animées, Conquest of the Longbow mérite toute votre attention. Un soir, je regardais Rambo, j'avais une rage de dents. J'ai vite rêvé. Attends. Tu devrais le faire pour la rage dedans. Hein. Tu mets un peu là, derrière la moulère, tu mets un peu le foudre et puis tu allumes le briquet. Ça fait cracher. Ils appellent ça le feu du dragon. Joli, maniable, profitant d'un scénario complexe et fidèle à la légende de Robin des Bois, Tilt note l'intérêt de ce programme à 17 sur 20. C'est pas réaliste hein, parce qu'à l'époque, un peu plus tard, mais pendant la guerre du Golfe, ils utilisaient de la super glue pour recoller les chairs. C'est très très utile pour fermer les plaies. Sur PC, pour le deuxième volet d'aventure, l'éditeur Lucas a utilisé Lucas. Son savoir-faire pour profiter au mieux des extraordinaires capacités des PC et compatibles. Fire. Vous voyez ces graphismes, c'est presque ce qui se fait de mieux en mode VGA. Proche du dessin animé, les décors de Monkey Island 2 sont en trois dimensions.
Voyez le personnage qui évolue ici. Son déplacement dans la profondeur de l'écran est vraiment réaliste. De nombreuses scènes sont particulièrement bien mises en scène. Jugez plutôt cette descente dans l'abîme. Les couleurs qui s'obscurcissent, se zooment, cela mérite bien un 18 sur 20. Bah oui. La souplesse de l'animation n'est pas très importante dans ce type de jeu. C'est de l'aventure, pas de l'action. Par contre, les bruitages sont indispensables pour appuyer l'ambiance d'une telle partie. Pour le concours de crachat, l'oreille en prend plein la vue. Hey, hey, j'ai eu une oreille qui en a pris plein la vue, ouais. Autre ambiance superbe, celle du cimetière. De quoi vous glacer le sang. Oh oui, non, c'était comique, donc... Notre note, que ce commentaire est un peu à côté de la plaque, les gars. Parlons enfin de la maniabilité de Manka Island 2. Un reproche, vous avez remarqué que tout est en anglais. Mais ouais. Puisqu'on sélectionne les dialogues à même l'écran grâce à la souris, il vous suffira de lire les textes, pas d'en écrire. D'autre part, l'ensemble du jeu est manié à la souris, c'est facile et rapide d'emploi, cela mérite un 16 sur 20. L'intérêt global de cette superbe aventure atteint, pour conclure, une note de 18 sur 20, un scénario complexe. Donc Island, magnifique les deux premiers, donc plutôt bien géré. Ouais, non mais c'est très... C'est pas... Franchement, j'aurais aimé, entre guillemets, être un peu plus vieux pour apprécier la sortie de ces jeux-là, parce que bon, quand ça sortit en 91, j'avais 5 ans, je m'en battais un peu la rate, hein, de mon cahier. Il a 25, un jeu souple et l'anglais, une valeur sûre pour les amateurs du genre. Top jeu vidéo catégorie micro, avec WWF Superstars en première position et... d'Océan, il est en seconde place la semaine dernière. Numéro 2, The Simpsons, d'Océan toujours, qui rétrograde puisqu'il était en première place déjà la semaine dernière. Numéro 3, Populous numéro 2 d'Electronic Arts. Populous, pas de nouveaux titres micro cette semaine. Top jeu vidéo catégorie console, numéro 1, c'était marrant, c'était Hedgehog, bien rythmé, hein. Numéro 2, DuckTales de Capcom sur NES et Game Boy. Numéro 3, Bugs Bunny The Crazy Castle de Kenko sur Game Boy. Deux nouveaux titres, Super Monaco GP de Sega sur Mega Drive, Game Gear Master System et Golden Axe numéro 2 de Sega sur Mega Drive. Le coup de cœur de Console Plus va à Alien Storm de Sega, dont l'adaptation sur Master System est vraiment remarquable. J'ai commencé par le 3 quand j'étais ado, j'ai récupéré un 2 après ça. Ouais, moi j'ai commencé par, je les ai fait beaucoup plus tard parce que j'ai vraiment commencé par Maniac Mansion et par Days of the Tentacles plutôt. J'étais moins attiré par l'univers pirate plus jeune, à part le 2 au trésor que j'avais adoré. Premier choix. Attention. Un profond coup de griffe pour Retour vers le futur 2 d'Imageworks sur Master System. Le film était excellent, mais le jeu est affreux, inintéressant, injouable. Vous appelez ça du skateboard, vous? Et notre... Oui, en effet, c'est de la merde. Retour vers le futur 2 sur Master System, ouais, c'est une catastrophe. C'est Monkey Island 2 que nous venons de vous présenter en actualité. Cette aventure signée Lucas est formidable. Salut Jika, comment ça va sur PC. Attends, il n'y a pas de temps mort dans l'émission, c'est sympa. Ouais, c'est vrai, bah, c'est bien qu'on fasse des posts parce que c'est vrai qu'ils n'arrêtent pas. Alors c'est 20 minutes, mais c'est non-stop. Comment ça va Jika? Développé par la société Amplitude PC, notre coup de griffe micro se nomme Deathbringer. C'est un jeu de combat sans surprise. Regardez, les graphismes manquent de profondeur et l'action est répétitive. À éviter. Eh ben, on fait quoi de bon? On se regarde. On a 4 épisodes de Micro Kids. On ne sait pas apparemment pas forcément dans l'ordre, mais on a 4 épisodes de Micro Kids plus du Télévisateur 2 à regarder ce soir. Donc pour faire quelque chose d'un peu différent, bah j'avais envie de regarder ça ensemble pour passer une partie de la soirée. Comme je disais, ça va être un live peut-être un poil un peu plus court. Je devrais vraiment arrêter vers minuit ce soir pour m'occuper des invités qui vont arriver à la maison. Mais je voulais fêter le week-end en regardant les nouveautés de 91. Alors, j'ai fait Retour vers le futur sur Super Famicom. Alors là, il y a 15 jours. Oui, alors le Super Back to the Future 2 était bien. D'ailleurs, il est sorti qu'au Japon. Ah ben merci. Merci beaucoup pour ton sub, JK. Merci. Donc voilà, on se fait les news de 91 de MicroKids. Et puis on se note 2-3 trucs qu'ils avaient notés pour éventuellement se les faire un peu plus tard en live. Je vais noter mon Kailand 2. Ok. Island 2. Ouais. Ils sont toujours en train d'essayer de choper des points pour libérer la fiancée des Tortues. D'ailleurs, attends. Une sombre histoire de fiancée kidnappée par Shredder qu'il faut libérer par les Tortues.
Mais c'est la fiancée de qui? C'est la fiancée des quatre? April se tape les quatre tortues? Non, en plus de faire du spécisme, elle est polygame avec des reptiles. C'est sale quand même. Deuxième. S'il est là. Non, elle est pas là, c'est pas grave. On fout, c'est bip, la bip, fin. Bip. J'espère qu'ils l'ont mis, ils sortent... Ouais, règlement 34. Si c'est sale, on le trouve sur internet. Oui, il y a notamment une image qui est très connue de April en lingerie avec les tortues autour. Attends. Si ou plutôt quand tu referas du React, ça pourrait être sympa de mettre qu'une seule émission. Quand il présente un jeu, tu fais les pauses et tu testes. Ah ouais, ça pourrait être sympa, ouais. Ouais, ça pourrait être cool, ouais. Je pense que je pourrais le faire, ouais. Ça pourrait être le prochain truc. C'était ça la stream à l'époque, ouais, c'était ça. Mince, je voulais dire un truc et j'ai oublié. Bon, bah, ça reviendra. Ah oui, si, Limited Run sort les BO de Tortue Ninja en vinyle, cassette, CD, etc. Et ce mois-ci, c'est le 1. Et j'espère qu'ils ont mis ça en début de CD, là. Tibidibidip, le truc bien stressant, là, le traumatisme. Fred, il veut que j'achète. Il est fou, jamais. Ok, Tortue Ninja 4, j'achèterai en vinyle. Mais celui-là, c'est mort, il m'a traumatisé. Ouais, peut-être 1, deux émissions vu que c'est 20 minutes. Fin du championnat, 124 400 points pour l'équipe numéro 2 contre 98 600 points pour l'équipe numéro 1. C'est donc l'équipe de Olivier et Frédéric qui marque 5 points qui viennent s'ajouter aux 4 points Olivier remportés Frédéric. Grâce aux deux bonnes réponses aux questions quiz. Quant à l'équipe numéro 1, elle est à moins 2. 9 à moins 2 pour une mauvaise réponse question quiz. Olivier et Frédéric remportent les deux Mega Drive offerts par notre partenaire Micromania. Ils étaient généreux, Micromania. Les perdants partent avec des abonnements à Tilt et à Console Plus et des jeux. Pas, on peut les applaudir également. On ne sait pas ce qu'ils ont gagné comme jeu. Ils ont peut-être gagné du Shadow Castle, Dark Castle. Mais franchement, un abonnement à Tilt et Console Plus, c'est pas dégueulasse. Hein. À vous de jouer maintenant, répondant à ces trois questions. C'est vrai, quiz, c'est vrai. Une super non, il était encore en Corse à l'époque ou en Bretagne. Première question quiz. Quel animateur célèbre de Canal+ a participé à la remise... Est-ce que vous avez suivi l'émission alors? Quel animateur célèbre de Canal+ a participé à la remise des Tilt d'or? Indice chez vous, ce qu'il faisait ne marchait jamais en direct. Je vous laisse quelques instants pour répondre à la question. Loupé, c'était pas de conne, non. Il faisait présentateur de nouveautés. Bonaldi, bien joué. Tilt d'or. Quel animateur célèbre de Canal+ a participé à la remise des Tilt d'or? C'est une question de Philippe de Briouze. Deuxième question quiz. Combien de Tilt d'or ont été décernés? C'est une question d'Ahmed de Briançon. Troisième question. Quel est le nom du train à grande vitesse qui circule au Japon? Quel est le nom du train à grande vitesse qui circule au Japon? C'est facile. Voilà, je vous laisse choisir quel est le train. Je pense que c'est le bullet train, hein, du coup. Ah, ça permet de boire un coup. Ou le Chino? C'est une question de Sergio de Toul. Pour jouer, c'est facile. Le 3615, code FR3 avec Tilt pour retrouver les questions et donner vos réponses. Ou alors une simple carte postale à nous envoyer. Le tips de la semaine nous est envoyé par Sébastien Robin qui habite Moissy Cramayel. Cette semaine, c'est pour avoir Lara Croft toute nue. TGV. Le TGV qui va vite. Technosoft sur Mega Drive. Une fois le jeu lancé, mettez-vous en pause. Pressez 10 fois de suite la manette de direction vers le haut. Dès lors, il faut simultanément presser le plus vite possible les boutons A et B d'une main et les flèches gauche-droite de l'autre. Toutes les armes disponibles sont maintenant affichées à l'écran. Vous avez toutes les chances de gagner la partie. Bravo Sébastien, tu remportes une lynx. Je vais pas le faire. TGV qui va vite. Atari. Le meilleur score de la semaine, c'est Jonathan Potier de Patel qui le marque en collectant 11 millions de 57 000 dollars. C'est quoi cette capture d'écran? Il voit rien. Sur NES.
une console Lynx également pour Jonathan. N'oubliez pas merci, que si une vous Lynx. Voulez nous envoyer bon, votre propre score, il faut absolument joindre une photo d'écran. Pour faire cette photo d'écran, mettez-vous dans le noir et n'utilisez pas de flash. C'est le joueur du grenier qui s'est fait battre une semaine là. Vous pouvez participer au top téléspectateur sur le 3615 code FR3 et noter tous vos jeux favoris à la fois en graphisme, en animation, en bruitage. Vous pouvez également gagner une Mega Drive sur le 3615 avec Micromania. L'adresse pour participer à l'émission pour envoyer vos tips. Mais c'est, j'ai pas à regarder sur quelle blague. MicroKid, Tilt, Console Plus, 913 rue du Colonel Avia. Ouais, pour une vanne RP, mais j'ai pas. Deux démos cette semaine, il s'agit de Reset Demo et Punish Your Machine, elles sont toutes les deux avant qu'on les regarde, un mot sur le décor qui, vous l'avez vu, évolue. Notre labo test se précise et il devrait être opérationnel dans 2 semaines. Il permettra à nos candidats de juger les jeux que nous vous présentons en actualité. Voilà, je vous rappelle également que MicroKid est rediffusé le dimanche matin. À la semaine prochaine, jouez bien. Les mecs sur les juifs, merde. Techno les démos. Ok, merci. Mais non, mais bien sûr, mais après ça reste des, enfin, ça reste des blagues. Savoir rigoler tout. Micromania, jeu vidéo, ça, console, logiciel, micro. Eh, c'est la voix de Stallone. Attends, on fait. Micromania, jeu vidéo, console, logiciel, micro. Les mecs sont payés la voix de Stallone, c'est bon ça. Oui, un rappel à l'ordre, ouais, 15 jours de ban. Bon, après, j'imagine qu'ils s'en foutent un peu, quoi, mais... Bien cramé l'image. À moitié à poil dans la piscine. Salut à tous, bonne année et bienvenue sur MicroKids. MicroKids qui passe. Ouais, mais il y en a qui regardent, hein, tout simplement. Aujourd'hui, en 20 minutes. 20 minutes, cela signifie plus de jeux, plus d'actualités et plus de cadeaux, puisque outre les 2 Mega Drive que nos candidats vont pouvoir remporter aujourd'hui, des Mega Drive, des jeux, pas de piscine, c'est tout. Des consoles plus, sinon vous pouvez gagner une Mega Drive, une Core et de Lynx. Nous vous en dirons plus dans le courant de l'émission. Toujours nos deux équipes de deux candidats. J'ai un copain qui avait récupéré un carton de Lynx. Nous trouvons Antoine et Antonin. Comment ils n'arrivaient pas à en vendre. Ils viennent tous les deux de Strasbourg. Dans l'équipe numéro 2, c'est François qui joue. Et Adrien qui répond aux questions quiz. Antoine, tu vas jouer sur le jeu Teenage Mutant Ninja Turtle. Quel âge as-tu ? 12 ans. Ta machine ? J'ai une Sega Master System. Quel est ton jeu préféré ? Bubble Bobble. C'est bon et ça, bon gamin. Et on va voir ce que tu vas faire tout à l'heure. 500 followers, t'es à combien là ? T'es à combien ? Attends. Il y a des meufs qui font du body paint à poil ? Ok. Ah. Bah si c'est toi, joli, François, je sais pas. Quelle est ta machine ? Si c'est juste pour marquer les pseudos des mecs qui donnent. 170 oh, t'es large. J'ai 12 ans. Alors par contre, si ça arrive même en décembre, tu vas te baigner en décembre. Hein. Sur Nintendo Entertainment System, je préfère Dogtail et Bubble Bobble. Mm-hmm. Et sur Game Boy ? Sur Game Boy, Final Fantasy Legend. Tu peux nous parler un peu de Ninja Turtle, du jeu ? Au début, il y a Shredder qui a enlevé April. Il faut les livrer. Après, quand les tortues elles l'ont livré, on rentre dans les égouts chez eux. Ok, et, c'est dégueulasse. On s'aperçoit qu'il y a encore. Et oui, bien sûr, à poil. Il faut aller encore les livrer. Ah, si on y... Et après. Ah, c'est bon, je suis con, c'est mon bot. Que je suis con. Tu es Krang et Shredder. Très bien, nous allons voir ce que vous allez pouvoir faire. Attention, les joueurs, les mains en l'air. Vas-y, c'est 3, pas la bonne chaîne YouTube, 2, mon mot en 1, top, c'est parti.
Le jeu, donc, Teenage Mutant Ninja Turtle, quatre tortues qui doivent libérer la belle April qui a été kidnappée par l'infâme Shredder. Ah, il s'est corrigé. Il veut lui faire un lavage de cerveau et l'enrôler dans son gang. Dans les rues et les égouts de New York, Leonardo, Raffaello, Miguel, Angelo et Donatello. Mais ah bon, il veut lui faire un lavage de cerveau pour l'enrôler dans son gang. Dans son gang bang peut-être, mais quoi? Foot Clan, champion de karaté, des Fire Freaks, cracheurs de feu, ou encore de sinistres Rocksteady, gardiens de fin de niveau. Mais les Tortues Ninja ont plus d'une arme à leur disposition, Nunchaku, Shuriken, Sabre, Katana. Mais non, ils n'ont qu'une seule arme à disposition, une arme chacun, ils n'en ont qu'une. Le combat sera rude. Je vous rappelle le principe du jeu, donc, des candidats qui jouent pendant toute la durée de l'émission, ils feront marquer 5 points à leur équipe s'ils gagnent. Michel, t'as pas joué au jeu, quiz, nous les retrouvons tout à l'heure, ils doivent répondre à 3 questions quiz qui valent chacune 2 points. Avant de retrouver nos candidats pour les questions quiz qui leur permettront à une des deux équipes de remporter les 2 Mega Drive offerts par notre partenaire Micromania, je voudrais vous montrer le cadeau de Noël que je me suis offert à l'occasion de mon voyage au Japon. C'est la Kix 91. Salaud. La console Kix 91 coûte au Japon environ 2000 francs, une affaire comparée au prix d'une Neo Geo. Les avantages de la Kix sont nombreux. Les joysticks sont ceux des machines d'arcade, on peut s'exciter dessus sans danger. Leur robustesse est à toute épreuve. Les boutons de tir sont larges et toutes les options sont possibles. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, mais c'est un... En fait, c'est un super gun qui s'est acheté. C'est un truc où tu peux de connecter à la Kix tous les jeux à la norme JAMA, c'est-à-dire les jeux Ouais, c'est un super gun en fait, tu branches directement une PCB JAMA et tu joues sur ta télé. C'est énorme. Putain, ça devait coûter. Ouais, c'était super rare à l'époque, mais alors c'est OK. Twitch la Kix. Il m'est joué avec ma Kix. Il y a un monsieur qui s'enroulait la Kix autour d'un bâton là. Mais c'est énorme. Par contre, ouais, il faut que t'achètes les PCB en JAMA et ça coûte une burne. 32 bits comme Road Mobile, les jeux Capcom, Namco, Taito, Data East. Puis fallait les trouver à l'époque. Et bien sûr, les jeux SNK, Neo Geo. L'encombrement d'une Kix plus un jeu est supérieur à celui d'une Mega Drive ou d'une Super Famicom. Cela dit, cet encombrement est compatible avec tous les appartements normaux. Au Japon, il est possible de trouver des jeux d'occasion bon marché. Il y a 100 fois plus de game center, de salles d'arcade. Les cartes que l'on appelle également plaques ont un taux de rotation élevé. Elles sont sans cesse rachetées, revendues, re-rachetées. Pour un jeu ancien comme Contra, il faut compter 250 francs. En revanche, un jeu neuf et récent peut coûter cher. J'ai vu Street Fighter 2 en vente à 10 000 francs. Quant au jeu que je possède, R-Type 2 m'a coûté 1000 francs et Dark Seal 1500 francs. R-Type 2 est très proche de la première version. L'action est rapide et incessante. Les décors sont très fouillés et les monstres de fin de niveau fabuleux. Une fois la console en marche, il est quasiment impossible de s'arrêter de jouer. Vous avez d'ailleurs failli ne pas avoir de micro-kids cette semaine car j'avais beaucoup mieux à faire. Tu m'étonnes, il joue au jeu d'arcade à la maison. Un jeu d'aventure action. Quatre héros vont affronter toutes sortes d'affreux. L'intérêt principal de ce jeu, outre sa beauté graphique, est le nombre de niveaux à parcourir. Bien sûr, il est possible et même conseillé de jouer à deux. Bref, deux très bons jeux. Si vous avez des contacts au Japon, je vous recommande l'achat d'une Kix. Moi, je vous présenterai les nouveautés que Banana-san m'enverra. Ah ouais, moi, et en 91, t'es content de sur le d'aller Super Games Show. Le Super Games Show s'est déroulé à l'espace Champéret à Paris et nous avons tourné des reportages et des interviews que vous verrez dans les prochaines émissions de Micro Kids. Mais tout de suite, nous n'avons pas résisté au plaisir de vous montrer le passage au Games. Entre nous deux, Thérèse, une bonne paire de chaussettes. Entre nous deux, Thérèse, une bonne paire de chaussettes. Entre nous deux, Thérèse, une bonne. Une légende avec elle. Entre nous, Thérèse, une bonne paire de chaussettes. Entre nous, deux, Thérèse, une paire de chaussettes. Thérèse, moi, une bonne paire de chaussettes. Entre nous, Thérèse, une bonne paire de chaussettes. C'est pour entrer dans la backroom ou comment ça se passe? Une bonne paire de chaussettes. Retour à nos deux équipes pour les questions quiz. Mais ah, avant, quiz. Un point sur la situation. Au bout de 5 minutes de jeu, c'est l'équipe numéro 2 qui est en tête avec 35 300 points. Et l'équipe numéro 1 est à 22 100 points. Attention, les candidats de quiz, Antonin et Adrien. Antonin, quel âge as-tu ? 12 ans. Quelle machine ?
Un Amiga 500. Et toi, Adrien, Amiga. Quel âge? J'ai 12 ans et j'ai un Atari ST. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts pour une question quiz? Première question quiz. Quel est le plat préféré des Tortues Ninja? Pizza. Antonin? Les raviolis. Pizza. Bonne réponse, plus 2 points. Deuxième question quiz. Que signifient les initiales NES? Que c'est finesse. Oui. Le foie de veau. La blanquette. C'est pas Denis, c'est pas, ils l'ont appelé Jean-Michel, Roger, Philippe et François. C'est les, ils ont été inspirés de héros de la Renaissance en France. Non et si. Antonin. Nintendo Entertainment System. Bonne réponse. Nintendo Entertainment System. Voilà. La salade. Les fleurs. Château. Troisième question quiz. Qui est le héros du jeu Quackshot? Mickey, Donald ou qui est le héros de Quackshot? Rapide. Je suis Mega Drive. Hop, non. C'est absolument. Je prendrais bien une tortue dans mon jardin pour lui coller des katanas sur le dos. Gripsou, en effet. Riri, Fifi, Loulou, bien sûr. Donald. Bonne réponse. C'était une question de Gamaccio de Saint-Donat. L'équipe numéro 2 a frôlé la catastrophe. Merci à Jérôme de Granville, à Erwan de Pontchâteau et à Gamaccio de Saint-Donat. Ils gagnent tous les trois des abonnements à Tilt et à Console Plus pour leur question non. quiz. Moi, j'aurais pris juste l'abonnement Tilt ou Console Plus, mais en plus, t'as les deux, mais c'est génial. Sont les joueurs, place à l'actualité console et micro de la semaine. Une sorcière sur un balai qui tire sur tout ce qui bouge, c'est Magical Chase de Palsoft sur console Core Graphics, le shooter délirant de ce début d'année. Pourtant, le principe du jeu est classique. Ennemis volants, défilement horizontal de l'écran, bonus, monstres de fin de niveau, etc. Mais les programmeurs ont inventé des vagues d'ennemis totalement folles et incroyables. Quelle invention dans le graphisme, regardez ce robot en fer blanc. Il se décore du troisième niveau. Deux canons c'était de joli, qui s'écartent et se rapprochent pour vous écraser. C'est un Giant, de toute façon, c'est une très très bonne console. L'animation est au-dessus de tout soupçon. Les défilements de l'écran est rapide. Et c'est une 8 bits. Dans tous les coins. C'est certains une 8 bits. Sont aussi très surprenants. Une note méritée de 17 sur 20. Évitez de branler à la Super NES. La bande son est harmonieuse et technique. Repose-toi bien, JK, merci de passer. Encore merci pour le sub. Bonne nuit à toi et puis bon courage pour ton week-end si tu bosses. Donc bonne nuit, merci. Pensez à vous voir quand votre sorcière est touchée ou quand elle ramasse un bonus. C'est utile dans cette pagaille. Une note sonore de 16 sur 20. Côté jouabilité, c'est parfait. La sorcière peut s'arrêter dans des boutiques pour échanger ses bonus contre des armes ou de nouvelles vies. Ça marche très très bien. 18 sur 20. Bref, un shoot'em up nous a totalement séduit. Même les monstres de fin de niveau sont stupéfiants. Une note globale de 18 sur 20. C'est rigolo comme ils appellent pas ça des boss. Mertz de Capcom sur Mega Drive est une cartouche d'homme. Vous incarnez une sorte de Rambo qui affronte des armées entières. Comme vous le voyez, il faut tirer dans tous les sens et ne pas faire de sentiments. Le graphisme est habituel pour ce genre de jeu. Mercenaires, tanks, avions, c'est clair et net. 16 sur 20, mon adjudant. Quelques trouvailles dans l'animation. Mais la destruction de cet avion est plutôt sommaire. Seulement 13 sur 20. Boum boum boum, les bruitages sont simplistes. Par contre, la musique vous donne du cœur au ventre. Ils ont fait des jeux de mots et tout. Hein. 15 sur 20. Votre Rambo peut monter dans une Jeep, utiliser une tourelle ou sauter dans un canot de combat. De quoi varier les plaisirs, je dirais 15 sur 20 en jouabilité. Mercs n'est pas un jeu original, c'est sûr. La cartouche s'en tire avec quelques trouvailles amusantes et sinistres, comme ce lance-flamme qui brûle vite et fort. On en prend un peu tôt un promo d'écran. Xenon 2 d'ImageWorks exploite à merveille les possibilités de la console Sega Master System. C'est un jeu de combat spatial dans la plus pure tradition, ça like un véritable classique. Le décor ne coupe pas le souffle, mais les aliens sont assez originaux, comme ces drôles de toupies ou ces espèces d'œufs. Une note de 13 sur 20. Je rame du cul. Regardez ces diverses vagues d'ennemis. Les mouvements sont souples et rapides. Le défilement de l'écran est bon. Note d'animation, 16 sur 20. La bande-son est dans la norme. Les bruitages de tir et d'impact ont déjà été entendus dans une bonne centaine d'autres cartouches. Allez, bim. Une note mitigée de 11 sur 20. Ouh, ça tabasse. Xenon 2 se joue avec plaisir. Il y a juste ce qu'il faut de bonus.
et quelques pièges sournois comme ce cul-de-sac. La jouabilité, 17 sur 20. Cette cartouche ne restera pas dans l'histoire, mais elle vous fera passer d'excellents moments. Attention, le jeu n'est pas facile, loin de là. Notre note globale, 15 sur 20. Ils sont quand même très tendres hein, niveau mutation. Il y a d'excellents jeux de plateforme sur la console NES. La preuve, ça c'est très bon Power Blade. Taito, une cartouche passionnante et très variée. Votre héros patrouille dans une ville futuriste pour démanteler une organisation de dangereux criminels. Vous choisissez votre quartier de départ, une mission dangereuse et difficile. Les graphismes ont fait tourner leur imagination. Ces éoliennes sont franchement originales et le reste des décors est à l'avenant. Une note de 17 sur 20 pour les graphismes. L'animation des ennemis est réussie. Les mouvements sont nets, vraisemblables et souples. 17 sur 20. Pas de quoi s'émerveiller sur la bande-son. Bruitages et musiques sont les seules vraies faiblesses de cette cartouche. 12 sur 20 seulement. Ouais. Le héros Power Blade est parfaitement maniable. L'action est variée. Power Blade. Même les passages qui rentrent en Tunisie restent toujours possibles. Pour la jouabilité, notre note sera de 17 sur 20. Power Blade est un très bon jeu qui mérite de devenir un vrai hit. Il a tout pour réussir, action prenante, graphismes originaux, bonnes animations. Note globale, 17 sur 20. Voici Air Rising Havoc, la suite de Roger Rabbit. Cette partie semble très alléchante au premier abord, mais attention, l'action est souvent répétitive. De plus, sur un PC peu puissant, le jeu est vraiment lent et fastidieux. Sur chaque tableau, Roger va devoir découvrir une série de mécanismes savants qui lui permettront d'atteindre la scène suivante. Ici, il doit se suspendre au ventilateur. Oh, ça a l'air chiant. Les graphismes de Air Rising Havoc respectent à la lettre l'ambiance des scènes. Il est beau, mais ça a l'air chiant. Gag, voilà le coup de la peau de banane. Vous remarquerez pourtant que l'on aurait pu attendre bien plus de couleurs et de netteté d'un jeu PC VGA. Nous évaluons les graphismes de ce jeu à 14 sur 20. En ce qui concerne les animations, le jeu possède autant d'humour que de punch, mais voyez, dans certains cas, l'action est interrompue et peu fluide. C'est dommage, la note d'animation atteint seulement un petit 13 sur 20. Air Rising Havoc se rattrape côté bruitage. On se croirait chez Tex Avery et même les synthèses vocales sont de la partie. Mais non, on se croirait chez Disney. Malheureusement, il faudra utiliser certaines cartes son spécifiques. Attention, le jeu n'est par exemple pas compatible avec la Soundmaster 2, une bande son notée 17 sur 20. La jouabilité de cette partie est bonne, le jeu utilise peu de touches ou de déplacements du joystick, résultat pas de mauvaise surprise. C'est animé, c'est animé vraiment 16 sur 20. Pas fluide quoi. Malgré l'ensemble de ces notes tout au-dessus de la moyenne, Air Rising Havoc risque pourtant de vous décevoir, le jeu est parfois fastidieux. Exemple, à chaque tentative pour vaincre le deuxième tableau, il faudra ouvrir 7 fois ce frigo pour décrocher une peau de banane. Méfiez-vous donc de ce titre, drôle et original à première vue, sans doute lassant à long terme. La rédaction de Tilt l'a noté à 8 sur 20. Ah ouais, ouais ils ont bien démonté. Ah, ils peuvent être durs. Le design sur Amiga est un jeu de réflexion. Vous devez assembler pour chaque tableau les tuiles identiques afin de les détruire. Mais attention, ces tuiles ne peuvent se déplacer que horizontalement ou tomber de par leur poids. Ah c'est bien ça. Grâce à un décor toujours très précis, il est assez facile de se concentrer sur la logique du jeu. Nous noterons les graphismes de Thing Cross, un 14 sur 20. L'animation n'entre pas en ligne de compte dans ce test, vu qu'il s'agit uniquement de réflexion. De même, les bruitages sont sans grande importance ici. Par contre, la jouabilité de la partie est importante. Mais voilà. Regardez le curseur en rouge sur l'écran. Il se dirige très facilement à l'aide du clavier. Rien d'exceptionnel, mais cela mérite un 16 sur 20. L'intérêt global de cette partie repose essentiellement sur le juste dosage de la difficulté du jeu. Les premiers tableaux sont faciles, les suivants font entrer en jeu des accessoires supplémentaires comme cette plateforme mouvante, qui peut soit vous simplifier la tâche, soit vous compliquer la vie. Thing Cross est un vrai casse-tête, il séduira les amateurs de logique, même après plusieurs heures de jeu. Tilt l'a évalué à 17 sur 20. Quoi, Simpsons ? Jeux vidéo, catégorie micro. En première position, The Simpsons, deux séances sur ST, Amiga et Amstrad, décidément indétrônables. Bah, numéro 2, WrestleMania, c'est pas le meilleur. Ou WWF, Superstars, deux séances, il est en seconde position, il était en seconde place la semaine dernière. Trois nouveaux titres, Heimdall de Core Design sur Amiga, ST et PC, qui rentre en troisième position. En cinquième place, nous trouvons Les Aventures de Mokhtar de Titus, et en 10... Les Aventures de Mokhtar. Ce bon vieux Mokhtar. Putain, et la gaffe, ils nous ont quand même fait bouffer de la merde. Position, Power Manger, Data Disc, d'Electronic Arts, sur ST et Amiga. Top jeu vidéo, catégorie console. Numéro 1, DuckTales de Capcom sur NES et Game Boy, suivi de Sonic the Hedgehog de Sega sur Mega Drive. Là, il y a rien à dire, mais alors Mokhtar. Les nouveaux titres, Bugs Bunny, The Crazy Castle de Kemco sur Game Boy, qui rentre en 3ème position, et EA OK d'Electronic Arts,
sur Mega Drive qui rentre en 9e place. C'est classique. Le coup de cœur de console plus, Burning Fight de SNK sur Neo Geo. C'est pas une bonne image. La plus belle cartouche de bagarre que nous ayons jamais vue. D'accord, l'action est primaire, mais quel graphisme, quel sprite, quelle animation. Superbe. C'est pas Burning Fight ça. Encore le coup du ninja contre des terroristes. Non seulement Shadow Dancer de Sega sur Master System est hyper ultra banal, mais le jeu est d'une affreuse lenteur et d'une rare et inutile difficulté. Et c'est de la Master System, c'est de la merde. Reste dans l'ombre. La légende de Robin des Bois est superbement mise en scène dans Conquest. Vous avez 4 jeux quoi, vous les avez déjà présentés. Graphisme très fin, scénario poussé, c'est le coup de cœur de la rédaction de Tilt. Nous vous en dirons plus sur ce jeu dans l'actualité de la semaine prochaine. Pas de coup de cœur cette émission-là était avant. Alors, bon, on va finir cette émission-là et puis après je vais faire une petite pause pipi et remplir mon godet. Ça c'est bien par contre. Plus que quelques secondes de jeu. 3, 2, 1, top. Fin du jeu. 88 200 points pour l'équipe numéro 2 contre 73 700 points pour l'équipe numéro 1. C'est donc l'équipe numéro 2 qui marque les 5 points qui viennent s'ajouter aux 2 points remportés pour une bonne question quiz. 5 plus 2 égale 7. L'équipe numéro 1 n'avait marqué, elle, que 4 Dommage. Points. Dû aux deux bonnes réponses pour les questions quiz. C'est donc l'équipe numéro 2, François et Adrien, qui remportent les deux Mega Drive offertes par notre partenaire Micromania. François et Adrien, félicitations. Les perdants ne repartent pas les mains vides, puisqu'ils repartent avec des abonnements à Tilt et à Console Plus et des jeux. On peut les applaudir également. Ben écoute, merci, tchou, bonne soirée. À vous de jouer maintenant pour gagner une super graphique sur le 36. Dommage, tu pars maintenant, il y avait une super graphique à gagner. Pour jouer, c'est facile, il suffit de répondre à ces trois questions quiz. Première question quiz, quel est le nom de l'endroit où s'est déroulé le salon Super Games Show? Quel est le nom de l'endroit où s'est déroulé le salon Super Games Show? C'est une question de Bernard de Paris. Deuxième question quiz, quel est le nom de la console que j'ai eue pour Noël? Quel est le nom de la console que j'ai eue pour Noël? C'est une question que je me suis envoyée moi-même en personne. Troisième question quiz, quelle armée inventa la formation dite en tortue? L'armée grecque, l'armée perse ou l'armée romaine? Une question que les Gaulois n'auront aucun mal à résoudre. Une super graphique en jeu réponse. Pour répondre, une carte postale ou le 3615 code FR3 avec Tilt. Le score de la semaine concerne le jeu à l'Est sur Mega Drive. C'est Jean-Baptiste Travaux de Saint-Gély-du-Fex qui a réalisé 133 392 620 points. Il remporte une Lynx, un score bien évidemment homologué par photo d'écran. Une innovation sur le 3615 code FR3, j'ai fait 3 millions. Participez au top des téléspectateurs et notez vos jeux favoris. Toutes les infos sur le 3615 code FR3. L'adresse pour nous écrire, MicroKids Tilt Console Plus 9 13 rue du Colonel Avia 75015 Paris. La démo de la semaine s'appelle KGB, elle est formidable. Un appel à tous les créateurs formidable. De démos. On ne peut pas dire le contraire parce qu'ils nous menacent. KGB, c'est alors, cool. Si le sujet vous inspire, à vos claviers. La démo KGB, à bientôt. C'était pas de télé, pourquoi tu joues? Allez, on va mettre pause un instant, le temps que j'aille remplir et vider, et je reviens dans une seconde. We'll be right back.
Et me revoilà. Ah, t'avais le shareware, énorme. Énorme, énorme. Allez, on va couper la musique. Et puis remettre. Sur Amiga, groupe KGB. Ils n'ont pas fait chier, KGB, KGB. Propre, hein. C'est propre, c'est du Vecto et tout. Moi, je trouve ça génial, cette scène de démo là. On y retrouve ça un peu maintenant avec la scène du homebrew. Et c'est pas pour me déplaire quoi maintenant avec tous ces hacks et tout. Je trouve ça agréable de voir ce qu'une communauté peut créer et voir le talent qui réside autour de nous. Avec tous ces mecs qui modent des jeux sur l'Unreal ou autre. Je trouve ça très très cool. Et en parlant d'Unreal, vous avez vu l'annonce du nouveau jeu Tortue Ninja par THQ ? Micromania. THQ annonce un nouveau jeu Tortue Ninja qui serait donc un solo narratif à la God of War, inspiré sur le comics The Last Ronin. Exactement, The Last Ronin. Alors, leur vidéo, leur trailer ne montre absolument rien. Si vous voulez, je le mettrai en fin d'émission. Si ce n'est que c'est inspiré que vous êtes une seule tortue et que les autres sont mortes et que vous allez venger les copains pour sauver votre chérie April apparemment. Mais c'est l'air très très bon, le comic c'est excellent. Et les rumeurs voudraient qu'on joue les autres tortues via des flashbacks et ça pourrait être cool, ça pourrait être très très cool quoi. Donc voilà. Tournez sur Micro Kids. C'est rigolo comme l'image était cramée. On est sur le quatrième. Ça fait une heure et demie. On pourra se faire après les deux télévisateurs 2 histoire de rester jusqu'à minuit puis couper là quoi. Mais oui, la prochaine fois on fera des jeux. J'en ai d'autres d'émissions que je les coupe parce que il y a des watermarks et tout. Salut à tous. Aujourd'hui, dans MicroKids, un point sur le CDI. Le CDI, c'est le compact disque interactif Philips. Les nouveaux jeux, bien évidemment, vous verrez, ils ont des graphismes dignes de dessins animés, mais également la full motion vidéo, la FMV, qui vous permettra de regarder sur un CDI des films disponibles sur des compact disques aux compact disques musicaux que nous connaissons. Et puis une avant-première, c'est Télétennis qui vous permettra de jouer en direct avec les plus grands joueurs pendant Roland Garros. La question quiz de la semaine dernière, Delphine. Un joueur de football a donné son nom à un jeu de foot. S'agissait-il choix numéro 1 de Eric Cantona, choix numéro 2 de Franck Sauzé, choix numéro 3 de Didier Deschamps? Et la bonne réponse était le choix numéro 1, Eric Cantona. Et les 5 premiers qui ont donné cette bonne réponse sur Nutel ou sur carte postale, que gagne-t-il ? Une carte multi-points. Que vont gagner nos équipes ? Je ne le sais pas encore. En tout cas, elles sont en place. On les retrouve. Changement de plateau. Possesseur de la carte multi-points, j'espère que vous êtes prêts car c'est à vous de jouer. On vous envoie la mire. Bonne chance. Nos 4 candidats sont fin prêts. Dans l'équipe numéro 1, j'accueille Luc et Franck qui viennent de Lyon. Ouais. Et dans l'équipe numéro 2, Manuel et Félix, qui eux viennent de Strasbourg. Ouais. Franck, oui, mais en fait, t'as le Didier Ville et le Didier Deschamps. C'est pas les mêmes, ils sont opposés. Ordinateur. Les deux. Qu'est-ce que tu as comme machine ? J'ai une Mega Drive et un 6128. Un 6128, tu te sers encore du 6128 ? Un peu. Un petit peu, pour quel type de jeu ? Oh là, il sert encore son 6128. Ah, mais là, il sert de ses mains, le loser. Et tu fais du traitement de texte, de la gestion ? Pas la gestion, mais du traitement de texte. Du traitement de texte. Et toi, Luc, tu as console ou micro-ordinateur ? Une Game Gear, tu t'en sers beaucoup ? Souvent. Oui, ton jeu favori ? À peu près 3 heures, après j'ai plus de piles. Voilà. Vous êtes tous les deux attends, je crois. Non, dans Unique 2. Vous êtes tous les deux du traitement de texte, de la gestion. C'est quoi ça ? Je n'ai pas entendu sur le jeu préféré.
Du traitement de texte. Du traitement de texte. Et toi, Luc, tu as console ou micro-ordinateur? Une Game Gear. Une Game Gear, tu t'en sers beaucoup? Souvent. Ton jeu favori? Sonic 2. Vous êtes tous les deux frères? Non, dans copains, je crois. Non, dans la même école et dans la même classe. Dans la même classe? De non, quelle école? Gabriel Rosset, avant. Et je crois que tu voulais faire un petit bonjour. Oui, à Farid et à Bruno. Vous avez d'autres passions que les jeux vidéo? Oui, le karaté. T'es bon au karaté? Assez. Et toi, Franck? Le karting. Tu fais souvent du kart? Pas trop. Pas trop? Une fois par mois? Ouais, à peu près. Manuel, quelle console ou quel ordinateur? La dépression. La dépression a touché beaucoup d'enfants dans les années 90. Si toi aussi, tu fais du karaté et que tu es dépressif, appelle ce numéro en bas. Mega Drive, ton jeu favori sur Mega Drive? Street of Rage 2. Et toi, Félix? Une Master System. Une Master System, même chose, ton jeu préféré? Sonic. Tu es bon? Ouais. On verra ce que ça donne tout à l'heure pour la première manche de notre jeu. Ça, vous êtes président de Philips Interactive Media France qui a lancé le CDI, le compact disque interactif Philips, il y a 6 mois. Où en est aujourd'hui le CDI? Eh bien, merci Jean-Michel. Le CDI va très très bien. Nous avons déjà actuellement une cinquantaine de... Le CDI va très très bien. Attends, on va se la refaire. Interactive Media France qui a lancé le CDI, le compact disque interactif Philips, il y a 6 mois. Où en est aujourd'hui le CDI? Eh bien, merci Jean-Michel. Le CDI va très très bien. Nous avons déjà actuellement une cinquantaine de titres. Le CDI va très très bien. Ah, ce menteur! Oh là 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 là! Joe le mytho! Le CDI va très très bien. On en a vendu 10. 10 millions? Non, 10. Moi, je vais l'enregistrer, je vais clipper ça. Le CDI va très très bien. Nous ajoutons des titres tous les mois. Et notre actualité, c'est le tennis, dont vous avez déjà rendu compte dans MicroKit, oui. Qui est un titre qui marche actuellement très fort. Ce mois-ci, nous lançons Alien Gate, qui est un shoot'em up. Nous aurons le mois prochain un très très beau titre qui est la découverte de l'Amérique, qui s'appelle Inca, qui est produit par Cocktail Vision et dont vous avez déjà rendu compte dans votre émission. Et nous aurons ensuite L'Ange et le Démon, une très très belle balade au Mont-Saint-Michel. Et puis bien sûr, bien d'autres titres, je ne parle pas des titres qui sont développés en France. Et puis il y a des jeux extraordinaires en préparation. Le premier, c'est Keter. Oui, Keter, c'est une sorte de grande... C'est clippé. Et là, il y a Keter. Et aussi, pour ouvrir les cartons, moi, j'ai utilisé beaucoup, la Keter. Aventure galactique, c'est un mélange de Guerre des étoiles et Terminator. On s'en met vraiment plein les yeux, et je crois que c'est un très très beau titre. Shaolin, c'est plutôt du côté des arts martiaux. Oui, Shaolin, c'est une quête initiatique aux arts martiaux. Alors, si on aime le karaté, là, on se fait très très plaisir. Et puis, il y a Astérix. Oui, le Shaolin. Astérix, bien sûr, le Shaolin. C'est le meilleur de ton catalogue. Excuse me, princess. Mais là, je ne vous en parle pas, car je sais que vous allez faire une émission sur Astérix. Oui, et là, on vous en parlera. Et puis le dernier titre, là, ça a été développé en collaboration avec LBO, Little Big One, qui est une société de production d'images de synthèse. Oui, Little Big One est une société belge avec qui nous avons travaillé pour Keter, qui développe des images de synthèse. Et Liberty Rest sera le premier titre en France en images animées plein écran. C'est une sorte d'aventure qui démarre à New York, qui se termine dans les étoiles. Wow. On va libérer la planète et c'est très 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 beau. Et là, on voit bien que le CDI, c'est une machine extraordinaire. Oui, le CDI, très, c'est très vraiment beau. Le grand spectacle, vous le savez. Le CDI, ouais, je dirais, c'est plus fort très, que très beau. Tout. On parle également beaucoup de FMV, de full motion vidéo. Qu'est-ce que c'est que la full motion vidéo? Mais la full motion vidéo, c'est une carte que le consommateur va acheter, qu'il pourra mettre derrière son... Et le FMV, eh ben c'est en plus. C'est plus cher. Donc, ce qui fait que tous nos consommateurs qui aujourd'hui ont acheté un lecteur de CDI ne se trouveront pas avec une machine démodée. Vous avez un CDI, vous avez une boîte qui est gros comme un magnéto, et ben ça, et ben c'est vide, il faut l'acheter en plus. Oui. Mettre au goût du jour leur machine, oui. Cette carte-là s'en fiche à l'arrière du lecteur, oui, et ça vous fiche. Permet, sur le petit disque de 12 cm que vous connaissez bien, oui. D'avoir non seulement si petit, du son, mais aussi de l'image, et de l'image animée plein écran, comme l'image de télévision. Ce qui veut dire qu'on pourra très bientôt trouver, sur ce petit disque, non seulement de la musique, mais également des films. Bien sûr, vous pourrez avoir le concert de votre artiste préféré, et vous pourrez aussi avoir des films. Et tout ça à un prix qui sera celui d'un proche d'un Le prix n'est pas
pas encore fixé, mais enfin, il ne sera pas très éloigné. Et puis, la dernière chose dont je voulais qu'on parle à propos du CDI, et là, vraiment, je suis très, très content de vous l'annoncer, parce que c'est une initiative de France. C'est bon, j'en ai un de CDI, j'étais embauché, alors félicitations. France 3, et on est vraiment ravis, c'est une initiative de la direction de la recherche de France Télévisions, c'est l'opération Télé-Tennis qui aura lieu à l'occasion de Roland-Garros. Qu'est-ce que c'est que Télé-Tennis? Jean-Michel, Télé-Tennis, vous serez chez vous, vous prendrez votre téléphone, vous composerez le numéro du standard de France Télévisions qui apparaîtra en bas de l'écran, et vous allez jouer au titre CDI Tennis avec un invité qui sera sur le plateau Roland-Garros. Donc vous aurez sur le plateau un journaliste, un invité, et de chez vous, partout en France, grâce au téléphone, vous pourrez jouer au tennis sur CDI. Et ça démarre quand? Ça démarre. Alors déjà, Hugo Délire, c'était injouable au téléphone, mais alors j'imagine jouer à un jeu de tennis avec ton téléphone, mais ça doit être tellement le seum. Alors, mais ça, c'est un truc. Alors, il y a des mecs qui ont adapté Hugo Délire aujourd'hui en convention. Tu peux jouer à Hugo Délire en émulé avec. Ils ont foutu un téléphone, mais alors j'aimerais bien qu'ils fassent ça avec ce jeu-là. Demain. Hugo Délire en PS, mais oui. Hugo Délire, beaucoup moins maintenant. Emmanuel, les choses sérieuses commencent. Voici les trois premiers titres pour le premier jeu à identifier. Ces images sont-elles celles de Super Mario Kart, bah de non, c'est F-Zero ou de Pilot Wings? Bah c'est Doom, forcément. Manuel, ta réponse? Super Mario Kart. Super Mario Kart, bonne réponse. Un premier point marqué. Ouais. Deuxième jeu à identifier. Trois titres, ces images sont-elles celles de Axelay? De Motorsport, oui, Uncharted. Super Aleste ou de Spriggan? Ah, bien Super Aleste, je suis pas sûr. Axelay. Franck? Super Aleste. Super Aleste, mauvaise réponse! Allez, Manuel, est-ce que tu as la réponse? Axelay, bonne réponse, un deuxième point marqué. Troisième jeu à identifier, trois titres, Super Soccer, Super Kickoff ou European Club. Super Kickoff, ça. Manuel, ta réponse? Super Kickoff. Super Kickoff sur Super Nintendo, une bonne réponse, un troisième point marqué, et c'est l'équipe de Manuel et de Félix qui remporte la victoire. Ouais. Une intro impressionnante, des bruitages réalistes, une animation sans faille, c'est Strike Commander d'Origin sur PC. Ce simulateur de vol se déroule dans un futur proche et vous propose d'incarner un groupe de... La même veste pour ton mariage, mais un bel hommage à MicroKid. Équipé d'appareils de chasse dernier modèle, comme dans tout simulateur de vol qui se respecte, votre appareil peut être vu sous tous les angles. Il dispose bien évidemment d'un armement puissant. Mais la principale originalité de Strike Commander est d'intégrer à l'action des éléments d'aventure. Vous devrez négocier vos contrats avec vos commanditaires et vous méfier des traîtres qui pourraient se glisser au sein de votre équipe. J'ai pas fait attention à la veste qu'il avait. Bref, un scénario de science-fiction qui n'empêche pas le jeu d'être d'un réalisme troublant. Admirez cette traversée de la couche de nuages. Un réalisme notamment obtenu grâce à une excellente 3D créée avec les systèmes de calcul les plus sophistiqués du moment. Notre note, 16 sur 20. Moi aussi, ma baguette magique, il faut que je la scoop pour qu'elle fonctionne. King Arthur's World de Jaleco sur Super Nintendo vous ramène à l'époque du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Vous devrez diriger vos troupes un peu à la manière de Lemmings et réussir une série de tests de difficultés croissantes. Au début, vous ne contrôlerez que de simples archers. Mais très vite, les choses deviendront de plus en plus compliquées. Vos soldats apprendront à utiliser des catapultes, à construire des ponts ou à mettre le feu aux bâtiments ennemis. C'est une réplique de Last Action Hero. Et avec un peu de chance, vous parviendrez même à apprendre quelques puissants sortilèges magiques. D'ailleurs, ce week-end, je me rematte absolument. D'ailleurs, absolument aucun rapport, mais ce week-end, je me suis mis en défi de remater 4 garçons de plein avenir. Si vous connaissez pas ce film-là, c'est un des meilleurs films français de tous les temps. Un
agréable petit moment de détente et de réflexion entre deux shoot them up qui vaut bien 17 sur 20. Très cool ce shoot them up de Konami sur Super Famicom. Regardez-moi ces petits poussins. Avec Patrick Sébastien, c'est le meilleur rôle de Patrick Sébastien. Ah bon, Polo, hein? Non, mais vous savez, moi aussi j'en ai une de télé. Ouais, mais je veux bien regarder ma télé chez mon Polo. Non, mais je m'appelle pas Polo, hein. mais ce film, on en parlait l'autre soir avec sur le live de Recalbox. Fab, il aime bien aussi, mais il est trop bien ce film, il est trop drôle, il est bourré de répliques. C'est toi qui as demandé à ma soeur si elle suçait? Ouais, pourquoi? Tu vas la remplacer? Ce film, il est vraiment... Enfin, je me pisse de rire à chaque fois. Là, tu prends des lunettes maintenant. Non, je suis mannequin chez un flelou. Et écoutez-moi ces cris déchirants. Thierry Lhermitte est aussi. Ouais, trop cool ce film. Dans Pop and Twinbee, vous n'affrontez pas des meutes d'extraterrestres gluants, mais plutôt des bananes, des grappes de raisin ou même des ananas. Les graphismes très colorés vous plongent dans un univers rafraîchissant dans lequel vous retrouverez tout de même les bonus et les armes spéciales. Ils ont fait fumer mon Victor. Ceci est un 355 Magnum, le flingue le plus puissant du monde. Alors maintenant, tout le monde se met à quatre pattes, qui fait la truie. À tous les shoot 'em up. Il est même possible de jouer à deux simultanément, voilà. Ce qui permet de faire deux comme fois plus de dégâts au sein du rayon fruits et légumes. La voiture. À mille années-lumière des carnages auxquels nous ont habitués la plupart des shoot 'em up, Pop and Twinbee préfère faire couler du jus de fruits plutôt que du sang, et ça mérite bien. Ça, c'est un excellent jeu. Si vous avez réussi à venir à bout des nombreuses missions que proposait Comanche, le superbe simulateur d'hélicoptère de Novalogic, ne criez pas à victoire trop vite. Parce qu'il est bientôt l'heure. Le cauchemar n'est pas terminé. Parce que j'ai faim. Comanche Mission Disque est une disquette de scénario qui vous propose en effet 30 nouvelles missions de difficulté croissante. Au menu, attaque de convoi, démolition de batterie lance-missile et mitraillage en règle de tout ce qui bouge, roule ou vole. Les décors sont toujours aussi impressionnants et vous pourrez découvrir de nouveaux paysages tels que cette superbe banquise sur laquelle vous mettrez un terme aux agissements d'odieux trafiquants responsables du massacre de malheureux pingouins. Cette fois encore, on est plus près de l'arcade que d'une véritable simulation, mais Comanche vous offre l'occasion unique de rejouer Apocalypse Now dans votre chambre. Attention, vous aurez besoin de Comanche pour utiliser cette disquette de mission, et mieux vaut disposer d'un PC puissant. Un datadisc qui redonne du souffle nouveau à l'original et qui mérite bien 17 sur 20. Où sont ça, ils sont... Bulls vs Blazers en the NBA Playoffs d'Electronic Arts sur Super Nintendo est une simulation de basket très réaliste dans laquelle vous allez pouvoir prendre en main vos équipes préférées. On sent que bien sûr Limoges n'y est pas, mais vous pourrez tout de même jouer avec quelques petites équipes minables et presque inconnues comme le Dream Team de Michael Jordan. Une fonction magnétoscope vous permet de revoir vos plus belles actions au ralenti et toutes les finesses du jeu sont présentes, y compris les fautes que l'arbitre n'hésitera pas à siffler. On était déjà les étoiles et tout, c'est vraiment ils ont vraiment fait, ouais, c'est NBA Live quoi. Vous pourrez affronter l'ordinateur ou mieux jouer contre un copain. Les bruitages sont impressionnants, l'animation est excellente et les joueurs marquent souvent des paniers de manière spectaculaire. Allez, Limoges n'est pas là, mais tant pis. Bulls vs Blazers reste tout de même un des meilleurs jeux de basket disponibles sur la Super Nintendo. 18 sur 20. Alors, MK Club. Dans quoi il joue là? Ex-mutant, oula, c'est pas bon ça. L'histoire de ce jeu, c'est à la suite d'une apocalypse. Des humains ont été transformés en mutants, alors que d'autres humains ont été retenus prisonniers par ces mutants. Shannon et Aykroyd, les deux principaux personnages que l'on peut choisir, vont tenter de délivrer les humains. Et à travers cela, ils vont rencontrer différents mutants qui vont les voir combattre sur leur chemin. On peut jouer à deux sur ce jeu, l'un après l'autre, en choisissant donc Shannon ou Aykroyd. Section Hero disait que j'ai abattu un homme à dessein et que je souhaite faire des... J'ai abattu un homme à dessein. Et tu vas bientôt fermer ta gueule, oui.
Ah, ce film, il est tellement bon. Mais Stallone, Terminator 2, oui, c'est le meilleur film dans lequel il ait jamais joué. Le jeu en lui-même a de bonnes qualités, pourrait-on dire. Le son n'est pas mauvais. Certaines digits sont très bien réalisées. T'aimes bien les omelettes ? Les graphismes sont moyens. Bon, la bande-son, en général, est assez banale. Bonjour. Le jeu est très long. Il dispose de 6 niveaux. Les 6 niveaux étant entrecoupés de plusieurs scènes. Et quand on termine un niveau, et si on n'a pas la gélule à ramener au professeur, on doit recommencer le niveau depuis le début. Donc le jeu est assez dur, mais il n'est pas prenant. On ne s'accroche pas du tout à ce jeu. Il y a beaucoup de bonus, des changements d'armes, les choses sont dans des jeux d'action plateforme. Le plus gros défaut de Action Hero, c'est d'être sorti en même temps que Jurassic Park, et du coup le film a floppé au cinéma. C'est une tristesse. Heureusement, il s'est rattrapé en VHS par la suite, mais c'est dommage. Secret. Grâce aux bombes d'ailleurs, on peut détruire des murs et arriver dans des salles secrètes, mais sans grand intérêt. Pour les joueurs qui auraient malheureusement acheté ce jeu, il faut absolument qu'ils trouvent la gélule de chaque level, sinon le professeur ne vous laissera pas passer. Acheter malheureusement ce jeu. Les derniers niveaux d'Alien Storm ne sont pas de tout repos. Pour vous éviter de perdre du temps et des vies dans le labyrinthe de portes du vaisseau spatial, choisissez toujours l'ouverture qui se situe. J'ai rêvé d'un film Hamlet avec Schwarzenegger, ça aurait été génial. Être ou ne pas être. Ne pas être. Plus à droite. Et vous aurez tout fait d'arriver au boss final. Deuxième manche de notre jeu, pour l'instant, c'est l'équipe de Félix et de Manuel qui est en tête par 3-1-0. Est-ce que Luc va réussir à égaliser? À ce moment-là, il y aurait question quiz. Réponse dans 45 secondes. Est-ce que vous êtes prêts, Luc et Félix? Oui. 3, 2, 1. Ils sont grands derrière. C'est parti. 45 secondes et le jeu, c'est Fatal Fury sur Neo Geo. Un jeu, vous le voyez, assez musclé. Les scores des candidats s'affichent en haut de votre écran. Parce que moi, j'ai pas touché à Neo Geo. Il est actuellement à 1201 points. Il est en haut à gauche. Et Félix, j'ai eu la chance de toucher à une personne quand vous avez tenté. À droite. Luc, pour l'instant, est en tête. C'est formidable. Il reste encore 20 secondes de jeu. Luc essaye de garder cette avance. Oh là là, que s'est-il passé là? Joey a gagné, mais quel est le Joey? C'est Joe, effectivement, c'est lui qui va marquer des points de bonus. Il reste 7 secondes. Est-ce que les candidats vont avoir le temps de redémarrer un deuxième round? Quel va être le score? Une seconde. Top fin du championnat. 13 301 points contre 1001 points. C'est formidable. Bravo Luc. Continue. S'arrête pas. Luc qui remporte cette deuxième manche. Il y a donc égalité entre les deux équipes. Luc, tu peux t'arrêter de jouer, c'est fini, tu as gagné par 13 000 et des poussières contre 1000 et des poussières. Donc c'est vraiment très très bien. Deuxième égalité entre les deux équipes. Voici la question quiz qui va maintenant vous permettre de vous départager. Est-ce que vous êtes prêt à appuyer sur le buzzer? C'est Luc qui va appuyer sur le buzzer dans l'équipe numéro 1 et c'est Félix qui va appuyer. Non, c'est Manuel qui va appuyer dans l'équipe numéro 2. Voici la question quiz. Quel est l'acteur qui joue le rôle du héros principal dans le film Toys? S'agit-il, choix numéro 1, de Sylvester Stallone? Un film que j'aime beaucoup d'ailleurs. Quel est l'acteur qui joue le personnage principal dans le film Toys? Est-ce que vous l'avez chez vous? C'est un comédien qui est décédé, malheureusement. Grand comédien comique. C'est pas un de ces films qui est le plus marquant de sa carrière, Toys, mais... Comment ça buzz? Non, pas Toy Story. Toys. C'est pas sorti Toy Story, là. Numéro 2 de Robin Williams, choix numéro 3 d'Arnold Schwarzenegger. Luc? Robin Williams. Robin Williams, bonne réponse, c'est l'équipe de Louis. Ça serait tellement drôle. Non, c'était la course au jeu. Bravo, ça. Formidable. Vous choisissez un numéro de 1 à 3. 2. Le numéro 2. Et vous remportez une super Nintendo. Oui, ça c'est de la joie, ça. Et ils sont plus dépressifs. Pour les 4 candidats des abonnements à Tilt, à Console Plus, des pistes du Nintendo, des t-shirts et des compactus. Bravo Luc, on se retrouve la semaine prochaine. Bravo à tous les gars. Oh.
On n'en parle pas très souvent, et encore moins dans Micro Kids, il s'agit des jeux éducatifs. Mais une fois n'est pas coutume, je vous présente Futur Éducatif, qui est un petit journal entièrement consacré aux logiciels éducatifs qui permettent d'apprendre tout en jouant. Ces jeux avaient très mauvaise réputation, et bien ils ont fait d'énormes progrès, et maintenant ils sont vraiment de bonne qualité. Ce fanzine est réalisé par des instits, par des profs, mais également par des enfants qui ont testé les jeux et qui donnent leur avis. Donc si ça vous intéresse, si ça intéresse vos parents, Futur Éducatif, toutes les coordonnées sont sur le 36 15 France 3, rubrique Microkids. Vous avez tous entendu parler du jeu Star Fox. Eh bien, sachez que ce jeu a été débaptisé. Quel est son nouveau titre? C'est l'objet de la question quiz de la semaine. Vous avez trois choix. Le choix numéro 1, Star Glider. Choix numéro 2, Star Wing. Ou choix numéro 3, Star Mania. Vous avez la réponse. Vous appuyez sur la touche 1, 2 ou 3, suivi de ENT sur votre carte multipoint. Et si vous n'avez pas cette carte, vous utilisez votre Minitel. 3615, code France 3, rubrique Microkids. Ou alors, vous nous envoyez une carte postale à l'adresse de l'émission. C'est également à cette adresse qu'il faut envoyer vos mascottes, et les mascottes de la semaine, oh, les voici. Mais voilà. Ah voilà, là on a des mascottes. Et c'est l'auteur de cette dernière mascotte qui remporte la Mega Drive. Je vous rappelle que ce concours de création graphique a été placé sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale et de la Culture. Donc on vous surveille, ok. Avant qu'on se sépare, je vous rappelle pour la 1873e fois que les goodies MicroKids sont disponibles sur le 3615 France 3 rubrique MicroKids, et que dans les goodies, on trouve les pins clignotants, les t-shirts et le CD. L'adresse de l'émission, vous la connaissez par cœur, et Delphine aussi. MicroKids Tilt Console Plus, 913 rue du Colonel. Avia, 75-15, Paris. Quant au numéro de téléphone de SOS Video Games, elle est incapable de s'en souvenir, donc je vous le donne, il s'agit du 36-70-00-03. 36-70-00-03. Attention, le week-end prochain aura lieu à Neuilly-sur-Marne, dans le complexe Marcel Pagnol, l'International Comic Book Emporium, un festival de bandes dessinées et de projections de films, puisqu'il y aura une aventure des Tiny Toons de Spielberg présentée en exclusivité. À propos de Toons, savez-vous que ma copine Delphine vient de sortir un compte Pacte disque, Bugs Bunny et ses amis. Une autre téléphone. Delphine qui chante des chansons inspirées par tout l'univers de Bugs Bunny et avec un orchestre un petit peu spécial puisqu'il est composé de... De Bugs Bunny, de Gros Minet, de Daffy et de Ville Coyote. Et Gros Minet, il joue de quoi? De la basse. La démo de la semaine, elle s'appelle Oups, elle tourne sur Amiga et elle est signée du groupe Silence France. On la regarde la semaine prochaine dans Microfuse. On découvrira un nouveau jeu fabuleux qui s'appelle Lost in Times. Il a été créé par une femme. À la semaine prochaine, jouez bien. Bye bye. Le pins, on s'en fout. Non, on s'en fout pas du pins, c'est trop bien le pins. Je le voulais. J'ai jamais eu. Quand j'en ai survivé sur la. C'est un brave, non ? Ah, il en reste un. Pins qui croque. Mais non, il est que. Il crée un truc USB. Kratos. J'en fous, bon, même s'il est pété, j'ai mon pins Game Boy qui est là. Et j'ai quelque part aussi mon pins Super Mario Tour. Super Nintendo Tour. Salut à tous, bienvenue dans MicroKids. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, un reportage qui nous emmène en Allemagne à la découverte du nouvel ordinateur d'Atari, le Falcon 030. Au sommaire également, le jeu caché. On a fait le tour. Tu veux un pins parlant TF1 avec la boîte à meux, le pins des guignols. Attends. MicroKids, alors MicroKids, c'est avec un apostrophe. Il y a un badge Jean-Jacques Goldman. Non, merci. Et Micronet. Non. Danone Kids. Bon, tant pis. Est-ce qu'on se ferait pas un dernier petit télévisateur 2 avant de se quitter? Parce qu'il est déjà 18h, je suis censé couper avant que les arrivées invitent. Avant que les arrivées arrivent. Mais est-ce qu'on se ferait pas un petit télévisateur 2, non? Avant de... Ça dure combien de temps, là? Hop.
Toi, tu vas te coucher. Bon, on va arrêter là, alors. On se les fera la prochaine fois. Donc, on se retrouvera dimanche pour du Zelda. Peut-être un peu de rétro en suivant, mais pour du Zelda, pour de la mission un peu secondaire, pour faire de la tenue et tout. Ben on va se couper là, on va aller raider chez un copain. Qui c'est qui est en ligne. On va lancer un petit raid. On va repasser sur la petite cam. Voilà, on va mettre cet écran là, ici. Comme ça, je vous garde sous les yeux. Mais on va regarder qui est en live. Ça fait deux petites heures de live. C'était cool, non, se regarder Microkids ensemble. Sundar. T'as quelqu'un à me conseiller chez qui raider ou si vous voulez voir du hot tub ou quelque chose, non, je sais pas. Ouais, je veux bien. Ben, je veux bien la tenue Sono. Ça le sert pour les batteries limitées. Qu'est-ce que... Vous avez quelqu'un à me conseiller chez qui raider? Sinon on s'arrête tout simplement. Sinon on coupe. Tu raides ton lit? Bah alors on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici, c'est pas très grave. On raidera peut-être plus tard. Moi je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. C'était plutôt cool. Je trouve d'avoir ce matin un peu des trucs ensemble. Bon, je vais continuer à chercher des trucs de mon côté. Et puis on pourra se refaire des émissions de React. Moi je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis à dimanche les copains. Allez, hop, on envoie le truc. Bonne nuit les copains. Ciao.